Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'abonnez-vous c'est la première de 2024 bienvenue à toutes et à toutes et aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois euh, je ne suis pas seule ce soir contrairement aux apparences Antoine Rouget arrive bonsoir <laughs> Salut, bonsoir <Antoine>. désolé <laughs> on a déjà plein de messages de bonne année dans le chat merci pour vos vœux bonne année à vous aussi bonne année tout le monde euh, vous faire les petits rappels d'usage. Donc abonnez-vous, c'est quoi C'est l'émission Twitch de Mediapart. C'est tous les lundis à 19h et c'est pour vous montrer les coulisses du journal en invitant les collègues qui participent tous les jours à la vie de Mediapart. Euh, pour participer, c'est très simple. Vous respectez les règles que je viens d'appeler dans le chat. Pas d'insultes, pas d'invectives, pas de propos racistes, homophobes, etc. Sinon, c'est Gaëtan qui fait la modé ce soir, alias Xantoxonus. Pardon, c'est pas facile à prononcer ton pseudo. J'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Vous le voyez, il a déjà mis un message. C'est moi le mot ce soir. Voilà. Donc, si jamais des messages sont postés et contreviennent aux règles que j'ai citées, eh ben, Gaëtan, il, il fait ce qu'il veut. Quoi. Il banne ou alors il juste il supprime le message. Vraiment, c'est lui qui voit. Euh, c'est bon. Très bien. Euh, si vous voulez, si vous voulez pardon, poster des liens aussi, vous ne pouvez pas. Il n'y a que Gaëtan qui pourra. Donc, il faut lui chuchoter. Voilà. Et Terence se demande quelle est l'origine de son pseudo. Moi, je sais, mais je ne dirai rien si jamais vous, allez, vous avez envie de jouer à ça. C'est une référence à un film. Euh, vous répétez qu'on n'est ni affilié ni partenaire, donc pas de sub sur notre chaîne pour ne pas donner de l'argent à Twitch, car Twitch, c'est Jeff Bezos. Et nous, on trouve qu'il a assez de sous comme ça. Mais si vous voulez néanmoins nous soutenir, vous pouvez, à votre avis, faire quoi Vous abonner. On a un petit son... <laughs> Abonnez-vous. Est-ce que le son, euh, vous l'entendez Est-ce que ça fonctionne là, le Stream Deck Parce qu'il y a des fois où je mets les sons et je rigole seule comme. Voilà, super, merci Tance. Donc vous pouvez vous abonner, bien sûr. Euh, et euh, avec le lien que je vous ai envoyé, vous avez un mois gratuit. Euh, vous n'avez même pas besoin de rentrer des infos de paiement ça vous permet de découvrir le journal. Voilà, pour les emotes, comme on n'est pas affilié, etc., on n'a pas accès à toutes les emotes euh, Twitch, mais on passe par BetterTCV, une extension, je vous envoie la marche à suivre si vous voulez les avoir. Et vous avez peut-être déjà constaté, on en a fait en fonction des gens du journal. Donc il y a celle d'Antoine qui est très populaire. <laughs> <laughs> C'est très pratique pour se dire bonjour ou pour se dire au revoir dans le chat. <laughs> Après, Après, il y a vraiment les, les, vraiment, les, les classiques, classiques maintenant. Hélène ouais. Salvi qui rit, Martine ah ouais. Orange qui dit oui, mais non. Euh, Valentine Auberti qui rit. Voilà, la dernière en date qui nous a été demandée, euh, c'est Mathieu Magnodex qui a pas trop trop la pêche. C'était pendant le live Véran. Voilà, salut, ouais, Cropule aussi dans le chat. Bon, bah, si ça vous va, euh, c'est parti. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et ce soir, on va donc parler euh, des JO et de l'aspect judiciaire euh, des JO avec Antoine Rougier qui travaille au pôle enquête de Mediapart. On peut se redire bonjour. <laughs> on peut redire bonjour, bonne année, euh, plein de fois. <laughs> euh, ah, ça commence. Ça, tu que... Je... étais déjà venu avec Tariq. Est-ce qu'on t'avait demandé d'imiter et à cette occasion ah non, en plus, j'imite euh, déjà très mal euh, en règle générale. Et alors, Edoui, euh, ce serait vraiment, vraiment un défi insurmontable pour moi, je pense. Du coup, désolé, inverse distribution. Moi, je suis nulle aussi en, en imitation d'aucune sorte. Mais si vous voulez, euh, je peux vous remettre Edoui qui imite Usul, qui imite Edoui. Et abonnez vous, abonnez-vous, les causes communes de l'égalité, abonnez-vous. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse vous proposer. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, comment ça se passe cette émission Je commence avec la revue de presse, à savoir juste, je vous lis les sept titres et les sept chapeaux des articles qui ont été le plus commentés la semaine dernière. Comme ça, ça vous donne un peu une idée de tous les sujets qui sont traités à Mediapart. Ensuite, euh, Antoine va se présenter un peu plus et on va lire un article euh, qui va commenter tout le long de la lecture, un article qu'il a choisi sur les JO 2024. Et on refera un point sur l'affaire Perdrio, puisqu'il y a eu euh, des nouveaux rebondissements la semaine dernière. Il y a le moment Père Castor, bien sûr, les, les conseils culture de l'invité du soir. Et après, on se dira au revoir à peu près vers, euh, vers 21h. Voilà. Donc là, c'est parti pour la revue de presse. Qui est-il sur euh, Mediapart dans le chat, Gaëtan va vous mettre les liens euh, au, fil, euh, au fil de l'eau. Comme ça, si jamais ce sont des articles qui vous intéressent, vous retrouvez tous les liens dans le chat. Donc, c'est parti pour un entretien d'Estelle Levresse, euh, Dimitri Glukovski. La Russie est entrée dans une nouvelle période de ténèbres. Condamné à 8 ans de prison par contumace en Russie pour avoir pris position contre l'agression de l'Ukraine par son pays, l'auteur du best-seller Métro 2033, en exil en Europe, continue de dénoncer la guerre, rencontre. Si jamais vous entendez un peu du bruit, euh, enfin des gens qui parlent, c'est normal, vu l'actualité, il y a encore pas mal de collègues, alors que d'habitude c'est un peu plus calme le lundi. Mais euh, dites-nous si jamais vous, vous, on a besoin de faire un rappel, parlez moins fort, euh, voilà. Ensuite, une enquête de Yann Philippin quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du trésor public. Mediapart révèle qu'à l'été 2017, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et son directeur de cabinet ont aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de la star brésilienne Neymar, contre la jurisprudence de l'administration. Un article de Selim Derkaoui à la CAF le racisme au quotidien. On méprise les pauvres, mais c'est avec un nom étranger, mais pardon, mais avec un nom étranger, c'est pire. Des allocataires décrivent des discriminations subies et des propos stigmatisants envers les personnes immigrées. Les caisses d'allocations familiales ne disposent pas de garde-fous assez solides pour empêcher ces pratiques, aggravées par la précarité du personnel et le manque de moyens. Est-ce que, est que le chat a bugué Non. Du coup, Gaëtan, n'hésite pas si tu veux mettre les, les liens des, des articles, ou sinon je peux le faire moi au fur et à mesure. Un article de Jean-Pierre Perrin. Okay. Un article de jean Perrin. Iran, le double attentat de Kerman montre la vulnérabilité du régime. L'attentat le plus meurtrier depuis la révolution islamique a fait au moins 84 morts et 284 blessés et affecte la crédibilité du régime en matière de sécurité. Il a été revendiqué jeudi par l'organisation État islamique. Un reportage de Manuel Magrez. Inondation les habitants du Pas-de-Calais plongent en insécurité climatique. Inondée par deux crues historiques en deux mois, la vallée de l'A a passé trois jours en vigilance rouge. Pour les habitants, l'abattement s'ajoute à la surprise et l'on craint que le secteur devienne à terme invivable. Une analyse de Caroline Cochodorge 17 000 décès imputés à l'hydroxychloroquine les explications de l'un des auteurs de l'étude. Pour la première fois, une étude française évalue le nombre de décès probablement dus à l'hydroxychloroquine parmi les malades du Covid hospitalisés c'est une estimation à minima car l'étude se concentre sur six pays seulement et sur la première vague épidémique. et enfin un article de mathilde gohannec l'uniforme pour habiller l'école aux couleurs de l'autorité. l'uniforme à l'école longtemps resté une lubie de la droite et de l'extrême droite a désormais les faveurs du chef de l'état et du ministère de l'éducation nationale au point de passer outre les nombreuses critiques sur le coût et l'efficacité d'une tenue unique pour les élèves. Si t'as déjà, je Que les collègues n'hésitent pas à faire du bruit si on apprend qu'atal devient PM. On pourra tout suivre en direct parce qu'il y a encore le pôle politique. Euh, enfin, tout, tout le monde est là. Il y a eu oui, euh... On aura ah, les, les infos en avant-première là. Exactement. Euh, Antoine, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer un peu quel est ton parcours, euh, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à Mediapart, depuis quand tu travailles ici euh, ouais. Donc, je suis Antoine Rouget, je travaille au pôle enquête de Mediapart depuis euh, 2018 en CDI. Avant j'étais pigiste, euh, j'étais pigiste au début de ma carrière, quoi, de... je suis sorti d'école en 2014. Et donc, pendant quatre ans, j'ai été pigiste pour euh, différentes rédactions, pour l'Agence France Presse, dans le département des Pyrénées Atlantiques, euh, où j'ai grandi. Euh, j'ai travaillé pour euh, Cash Investigation, notamment Cash Investigation qu'on avait fait en partenariat avec Mediapart, d'ailleurs en janvier 2017, sur la pédocriminalité dans l'Église catholique. Euh, j'ai travaillé pour, j'ai été pigiste pendant pour le canard enchaîné et après pour euh, de la presse magazine Cosette. Voilà, j'ai toujours euh, eu un prisme euh, enquête mmh. euh, qui, pour moi, est en fait un, à la base même de toute démarche journalistique, quoi d'essayer de trouver des informations euh, exclusives, méconnues du grand public, euh, cachées par euh, différents pouvoirs et qui ont vocation à être révélées et être mise sur la place publique pour informer les citoyens dans leurs choix, dans leurs activités, etc. Euh, donc là, au sein du pôle enquête de Mediapart, on est dix journalistes, c'est pas un pôle qui est hyper cloisonné, en fait, on a euh, des thématiques majeures, mais après, on, on, on navigue, on collabore souvent euh, à deux ou trois sur, sur des sujets, mais moi, ma thématique dominante, c'est euh, tout ce qui concerne les atteintes à la probité, euh, les questions d'éthique publique. Donc euh, je travaille beaucoup sur euh, le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale, du Sénat, euh, euh, des ministères, et aussi j'essaye, quand j'ai un peu de temps, de, de travailler sur les élus locaux, euh, notamment les maires, présidents de métropole ou présidents de conseils régionaux. Départements qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont souvent euh, parce qu'ils sont un peu loin de Paris euh, peu euh, observés, et puis euh, euh, sur, les, sur lesquels euh, la presse euh, régionale, pour des raisons à la fois structurelles et aussi de, bah, de diminution euh, de la taille des rédactions en région, en fait, euh, a, peu, a peu le temps d'enquêter. De, Je pense qu'on a une responsabilité aussi à Mediapart de se déployer en dehors de, de Paris. Donc, j'essaye de de le faire quand j'ai un petit peu de temps. Voilà. Mais le reste m'occupe déjà pas mal. Il y a déjà des questions dans le chat. Enfin, tu es déjà venue avec Tariq, c'était à l'époque sur l'affaire Père de Yo. J'imagine que tu te souviens que Terence avait toujours des questions euh, très pertinentes. <laughs> Et bien ça commence. Euh, Antoine, peux-tu nous rappeler quelles sont les enquêtes actuellement ouvertes en lien avec l'organisation des JO Je ne sais pas comment tu veux qu'on procède à ce que tu veux refaire peut-être un, un grand récap et après on lit l'article en particulier ouais je peux faire un peu une vision un peu ouais. un peu générale euh, euh, d'abord pour expliquer un petit peu pourquoi moi je, suis, je travaille sur, sur les JO et depuis quand en fait quand j'étais déjà pigiste à Mediapart je je, je, je travaillais parce que j'avais beaucoup enquêté sur le fonctionnement des, des fédérations sportives dans lesquels il, il y a quand même pas mal de, de problèmes. L'actualité récente l'a a montré avec la condamnation du président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, qui était ancien ministre des Sports de Nicolas Sarkozy, avec les affaires Le Grette au sein de la Fédération française de, de football. Mais si on prend de manière générale, il y a... Euh, il y a un problème structurel euh, et des dysfonctionnements euh, majeurs dans, dans, des, euh, dans la quasi-totalité des, des, des grandes fédérations euh, sportives françaises et notamment des fédérations olympiques. Et donc, en fait, dans le cadre de mon travail sur les fédérations sportives, au moment où il y a eu euh, les débuts de la candidature de Paris 2024, euh, bah, ça m'a amené de manière euh, très naturelle à, à commencer à travailler sur le sujet parce que j'avais une appétence sur ces questions-là et puis euh, bah, j'avais des sources, des contacts, des informations un peu privilégiées. Et donc j'ai commencé comme ça à faire des premières révélations pour, pour Mediapart sur Paris 2024 avant même que, que la candidature soit validé par le comité international euh, olympique. Euh, et donc, maintenant, euh, à Mediapart, je continue en parallèle de ce que je fais à, à suivre ces sujets-là. Et donc, euh, un certain nombre de révélations que j'avais faites à, à l'époque, en fait, ont conduit à des enquêtes judiciaires. Euh, donc, aujourd'hui, pour répondre plus précisément à la, à la question, il y a trois enquêtes distinctes. Euh, Judiciaires qui sont menées contre le ou autour des activités du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Euh, il y a une première enquête qui porte sur des contrats qui ont été passés euh, au moment de la phase de candidature. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est les années 2016-2017. Et on lira d'ailleurs un, un article qui concerne précisément cette période-là. Ensuite, il y a euh, euh, deux autres enquêtes judiciaires qui, elles, portent sur des contrats qui ont été passés. Euh, après l'obtention de, de la candidature et donc au moment de, de, de l'organisation euh, et à chaque fois ces, ces, ces enquêtes portent sur des soupçons de favoritisme euh, avec des conflits d'intérêts en fait au sein du comité d'organisation euh, de Paris 2024 et c'est un peu le, le la continuité en fait qu'on voit à travers toutes ces enquêtes c'est que certes Paris 2024 c'est un dispositif qui a euh, connu une énorme croissance et qui va continuer à grandir hein, jusqu'à jusqu'à l'organisation et jusqu'au lancement des Jeux en juillet prochain. Mais il euh, y a euh, vraiment un, un élément euh, constitutif en fait de, de la candidature et de la manière dont les Jeux sont organisés, c'est que c'est qu'il y a un entre-soi absolument phénoménal, phénoménal et extraordinaire, et d'ailleurs qu'on tolérerait dans aucune autre. Euh, dans un dans un aucun autre domaine que, que que le sport et là ce qui est intéressant à travers les Jeux Olympiques c'est qu'on est sur une matière qui dépasse en fait euh, les questions sportives et donc euh, bah, là ça apparaît clairement au yeux du grand public qu'il y a euh, un problème et moi tout, tout l'enjeu est Là où je trouve intéressant, c'est de le rattacher effectivement à des questionnements politiques sur la place qu'on accorde au sport, sur les libertés aussi qu'on accorde euh, et qu'on octroie aux, aux acteurs du monde sportif, de s'auto-organiser entre eux dans des phénomènes de copinage euh, et de relations totalement incestueuses, et avec les conséquences que ça a aujourd'hui sur l'organisation d'un événement qui va avoir des conséquences sur la vie de, de millions de personnes. Oui, d'ailleurs, euh, je vous ai mis le lien vers euh, le dossier où vous pouvez retrouver toutes les enquêtes de Mediapart, euh, donc celle d'Antoine, bien sûr, sur les JO, mais aussi celle de Sarah, de, qui est Paul, Sarah Brett, euh, celle de Radija Zerwali, ou encore euh, celle de Jaldine Gard qui était venue pour un Twitch euh, à la rentrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'ai pas gardé le, le lien à portée de main, je vais le chercher. Euh, ou cette fois-ci, j'ai hâte de parler vraiment des impacts sur la vie des gens qui sont expulsés. Les... Alors attendez, je cherche euh, en même temps YouTube. Euh, L'ulcumisme s'étonne du copinage dans le sport, quoi <laughs> C'est bon, on n'a jamais entendu ça. Alors, euh, yes, j'ai retrouvé comme ça, si vous voulez avoir les deux pendant, c'était une idée originale déjà de, de, de faire d'ailleurs cette émission pour qu'on traite euh, tous les aspects des JO. Et voilà. Euh, Est-ce que tu veux qu'on passe à la lecture d'articles Ouais. Alors, c'est parti. Ah, on peut prendre la question de Terence et après on passe à la lecture d'articles. En lien avec le récent article de Mediapart concernant les rapports entre l'ex-rédacteur en chef de France Football et le Qatar, quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les journalistes travaillant pour des médias sportifs afin d'enquêter Idem pour les journalistes indépendants qui voudraient proposer de tels articles dans ces médias. Mais là, on arrive sur, sur un vrai. Euh... Enfin, vraiment le, le, le cœur du sujet dans, quand je parlais aussi de, de copinage euh, tout à l'heure et avec le, le commentaire un peu ironique du copinage dans le sport, euh, comment, comment ça, ça Voilà, on, on sait bien que c'est un, un milieu extrêmement euh, voilà, endogamique, euh, incestueux et que, et que la, la presse est totalement imbriquée avec euh, avec euh, avec, euh, avec ce monde-là, notamment la presse la presse sportive, à la fois de manière euh, euh, capitalistique ou économique. Euh, parce que euh, bah, le premier quotidien sportif français, c'est euh, euh, le journal de l'équipe, euh, qui est détenu par un groupe industriel, maurice Sport Organisation, qui est lui-même organisateur d'événements sportifs. Euh, maurice Sport est prestataire de Paris 2024. Euh, maurice Sport organise le Tour de France. Euh, maurice Sport organise un certain nombre d'événements euh, sportifs en France, et donc on voit bien qu'il y a, bah, de fait. Un conflit d'intérêts entre l'actionnaire et, euh, et, euh, et et le journal, ça veut pas dire euh, que euh, les journalistes de l'équipe euh, n'essayent pas de trouver les marges de manœuvre euh, pour, pour pour pouvoir enquêter sur ces sujets-là. Il y a des, il y a aussi des comme dans tous les groupes humains, il y a des batailles, euh, voilà, euh, des gens qui sont très lucides vis-à-vis -vis de cette situation, qui essayent euh, justement euh, de faire de l'enquête euh, à l'équipe et l'équipe produit des enquêtes euh, extrêmement intéressantes. Je parlais tout à l'heure de l'affaire Bernard Laporte à la Fédération française de rugby. Il y a eu un, un énorme travail d'enquête du journal L'équipe sur, euh, sur cette affaire-là. Mais de fait, euh, il y a une difficulté économique pour un journal comme L'équipe de s'attaquer à certains. À certains sujets, il y a aussi des relations de source. Par exemple, les journalistes de l'équipe, et eh bien, ils ont besoin d'assister de, à des matchs du Paris Saint-Germain, de pouvoir accéder ouais. aux salles de conférences de presse, etc. Donc, ils sont. Il y a eu d'ailleurs une affaire où le, P, le PSG euh, a boycotté l'équipe et l'interdisait d'accès, et ça. Donc, c'est des situations de tension. Et euh, ce qui est pour nous très confortable, c'est qu'on n'a aucune de ces difficultés à, à la fois euh, par notre indépendance économique. Euh, le fait qu''on euh, n'est pas euh, d'actionnaire euh, et qu'on n'est pas de recettes publicitaire aussi parce qu'on en parlera tout à l'heure dans Paris 2024. mais l'un des sponsors les plus importants de, de Paris 2024, c'est le groupe LVMH. Qui est lui-même propriétaire euh, et bien du journal Le Parisien, de, du journal Les Échos, qui est aussi euh, l'un des principaux euh, annonceurs de toute la presse française, Le Monde, euh, euh, le JDD, euh, la Tribune Dimanche. Voilà, donc euh, c'est donc un, un acteur économique du monde des médias qui est extrêmement fort et qui est le principal le sponsor de, de Paris 2024. Nous, on n'a aucun lien avec cette industrie-là, donc on est de ce point de vue-là euh, très tranquille, c'est-à-dire que moi je peux publier les articles que je veux, j'aurai pas la régie publicitaire de Mediapart qui va au bout d'un moment venir me voir et me dire mais si tu continues tes articles, tu vas faire perdre des millions d'euros à, à la boîte euh, donc ça c'est une pression euh, ou une absence de pression qui est extrêmement euh, confortable et l'autre chose c'est que nous on suit pas l'actualité euh, euh, sportive et donc moi j'ai pas besoin par exemple d'accréditation je ne suis pas lié avec des fédérations ou avec le comité d'organisation de Paris 2024 pour accéder à certaines compétitions. Et mes chefs ne me taperont pas sur les doigts si je n'arrive pas à accéder à tel événement pour raconter au public ce qui s'est passé à travers tel match. Donc ça aussi, c'est une totale liberté parce que dans l'article qu'on va lire tout à l'heure, en fait, l'une des réactions de Paris 2024 quand j'ai commencé... Au moment de la phase de candidature, a euh, euh, enquêté, sur la manière dont tout ça s'organisait se, euh, se, à l'époque. L'une des réactions, ça a été de me blacklister et de, me, de, de, de ne plus m'inviter aux événements, aux conférences de presse, et de ça. Euh, et ben moi, j'en ai eu, euh, voilà, aucun préjudice de ça parce que j'avais pas besoin de suivre au quotidien. Je contournais un peu les un peu les voilà les, les différentes tentatives de censure ou en tout cas de d'entrave de, que je subissais et il y avait d'ailleurs des confrères et des consœurs d'autres rédactions euh, qui avaient moins de liberté que moi et qui euh, m'aidaient en fait à avoir accès à des à des à des informations qui étaient euh, censé être public mais euh, mais euh, mais qu'on m'empêchait d'obtenir et ben voilà moi dans mon travail au contraire j'ai eu un soutien alors que j'étais pigiste à l'époque j'ai eu un soutien énorme de la rédaction de dire que c'était pas normal et qu'il fallait justement que je continue et que c'était bon signe en fait euh, qui se braque autant et la preuve c'est que ça a eu des des conséquences ensuite donc euh, oui euh, mediapart on est euh, dans une situation euh, très confortable vis-à-vis euh, -vis de ça, mais c'est aussi du coup, euh, c'est ça qui nous aussi nous donne une forme d'obligation en fait. C'est que bon, on est attendu sur ces questions-là et qu'on peut pas se permettre justement avec euh, ce confort-là bah de, de 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 pas être à la pointe des enquêtes sur sur un événement comme euh, les JO quoi. Je regarde sur les messages un peu. Donc Afon qui demande est-ce que vous traitez aussi l'impact social et économique sur tout le monde, expulsion des SDF, règlement des dépenses extravagantes, perturbations, logement de transport. Eh bien oui, tout à fait. Ça devait être avant que tu arrives dans le chat, parce que j'ai mis le lien un peu plus haut, mais je vais le remettre vers tout le dossier. Euh, parce qu'il n'y a pas que Antoine qui est mobilisé sur le, le sujet des, des JO. En fait, euh, tous les pôles de Mediapart... Euh, travail dessus et euh, notamment, je pense, à il y avait un article de, de Nejma Brahim sur les ouvriers sans papier des, des, des Jeux Olympiques qui étaient en rêve pour être régularisés ou sur les impacts en Seine-Saint-Denis avec Jadine Gard. Enfin, J'ai mis le lien, il y a vraiment tout, tout dedans. Mais pour abonder là-dessus, juste euh, voilà, justement pour dépersonnifier, hein, c'est hyper important. Pour nous, c'est une couverture transversale hein, de tout le journal et on va monter en... Euh, en température euh, euh, dans les prochains mois, en fait, sur, sur cette question-là. On a d'abord traité vraiment d'un point de vue, euh, il y a plusieurs années, l'article qu'on va lire, c'est vraiment d'un point de vue organisationnel, mais aussi politique publique, en fait. On ne prend pas du tout les JO comme, euh, comme un événement euh, euh, et euh, comme juste euh, voilà euh, l'analyse de l'organisation d'un événement. Euh, on prend les choses, euh, voilà, de ce point de vue-là, très au sérieux. On dit que bah, le sport, y compris euh, euh, l'organisation d'événements sportifs, c'est une politique publique qui a des incidences. Euh, en termes de logement, en termes de dépenses publiques, euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, même en termes de sécurité, euh, euh, enfin, en fait, dans tous les aspects de la vie, qui va, et on, on commence, je pense que, euh, on commence vraiment à s'en rendre compte à quel point ça va être un événement euh, impactant dans plein plein de, de dimensions. Il y a par exemple euh, un article de Camille Poloni sur sur euh, l'impact, par exemple, sur la, la justice, en fait, la priorisation de la euh, et les Priorités qui sont données par le ministère de la Justice au moment des Jeux Olympiques, c'est d'aller d'aller euh, traquer et de juger en comparution immédiate la délinquance de rue en fait, euh, euh, les, les, les petits vols etc qui vont être réalisés et tout ça va se faire par exemple au détriment euh, euh, bah de du, du travail d'enquête plus fourni qu'on peut avoir sur la grande délinquance financière et ça c'est hyper intéressant en fait de voir que euh, en fait en termes d'impact c'est quelque chose euh, qui a des années moi j'avais pas anticipé c'est qu'on va avoir des magistrats spécialisés sur euh, euh, des grandes enquêtes financières etc qui vont être démobilisés de ce travail là pendant plusieurs semaines pour aller faire des comparutions immédiates pour aller euh, juger des vendeurs à la sauvette euh, parce que il euh, euh, y aura un intérêt à faire de, en masse de la comparaison immédiate et un peu dans une euh, logique de nettoyage en fait euh, de, de Paris et de et de la petite couronne quoi donc euh, donc euh, vraiment il y a un, à la fois des conséquences qui sont euh, euh, en chaîne, en fait, sur tout un, tout, tout, tout un, enfin, tout des, plein de pans de, de la société et de, et, euh, et, plein de conséquences pour, pour les citoyennes et citoyens. Et du coup, nous, ça se matérialise par un vrai travail collectif et transverse au sein de la rédaction. Ah, hum, au te demande et si euh, Maurice pour organisation ne s'en occupait pas, qui s'en chargerait par rapport à ce que tu expliqué tout à l'heure S'il y avait un fonctionnement. Euh, différents est-ce que c'est est-ce que Amoris pour organisation est euh, indispensable à euh, l'organisation d'événements sportifs euh... bah, c'est un gros acteur euh, français et même international hein. euh, voilà ils sont spécialisés notamment dans l'organisation euh, d'événements sportifs, c'est quelque chose par ailleurs qui fait vivre ce groupe en fait, euh, voilà. Hein, donc euh, donc c'est important en termes de chiffre d'affaires pour pour Amaury Sport. Euh, et euh, euh, est-ce qu'on peut imaginer que si Amori Sport n'existait pas, il y aurait un autre euh, savoir-faire français, une autre entreprise française peut-être en fait, mais, mais aujourd'hui par exemple un événement euh, comme 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 le Tour de France, c'est euh, en termes de retentissement et par ailleurs même d'expertise d'organisation, c'est quelque chose euh, euh, d'extrêmement important. L'impact du Tour de France, euh, bah, c'est c'est énorme à la fois pour Amaury et pour, pour 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 la France en termes de notoriété, voilà pour pour le cyclisme et de ça. Donc je ne sais pas dire si si n'existait pas. Enfin c'est un peu c'est une question. Euh, je Ouais. Enfin, je pense qu'on peut même pas se poser. En réalité, c'est un acteur qui est, qui, est, qui, est, qui est présent, mais par contre, c'est cette structure économique et capitalistique là qui, en fait, qui, qui, qui fait à la fois euh, d'un actionnaire un acteur de la production d'événements en France et en même temps bah, l'actionnaire unique du premier quotidien sportif. Quoi. Charles Van précise, il organise aussi le Dakar. Oui, tout à fait. Et du coup, il y avait aussi des questions sur bah, effectivement, le Dakar est un, un sujet extrêmement problématique. Euh, Dakar, qui est pu organiser en, en Afrique, hein, qui a été d'abord délocalisé en Amérique du Sud et puis en Arabie Saoudite. Euh, avec tous les questionnements, notamment après euh, l'affaire Khashoggi, où il y avait eu un certain nombre d'investissements qui sont partis euh, et d'investisseurs qui ont renoncé aux investissements en Arabie Saoudite, et, et le, le groupe Amori euh, est resté euh, en, en Arabie Saoudite, et donc, euh, bah. Effectivement, c'était intéressant d'analyser la manière dont c'était traité dans les colonnes du premier quotidien sportif français. Pour moi, c'est un conflit d'intérêts, de la même manière que, que euh, le groupe Les Échos, euh, enfin le journal Les Échos, donc premier quotidien économique français, est détenu par LVMH, euh, euh, donc euh, propriété de la première fortune de France. Voilà, on est dans. Mais une fois qu'on le sait, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il faut. Euh, il faut euh, associer tous les, tous, les, tous les journalistes de ces rédactions-là euh, au fait qu'ils veulent taire les pratiques okay. de leurs actionnaires. Il y a des, Encore une fois, il y a des gens qui essayent en interne et qui sont très conscients de cette situation-là. Mais, mais par contre, bah, de fait, on est sur une situation qui est un petit peu dérangeante. Citadelle, je te conseillerais de demander si on avait prévu une incise sur les géodivers en France on a fait un article ce week-end euh, ah, sur la mobilisation, mais euh, je pense que ça pourra, c'est donc pour 2030, je pense que ça pourra donner lieu en soi à une autre, à une autre euh, 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 émission, parce que c'est parce que vrai que ça pose euh, tout un tas de questions, notamment du point de vue euh, de la transition euh, et de la lucidité des euh, représentants publics face au, à l'impact du des règlements climatiques et à la manière dont euh, tout ça va s'aggraver euh, dans, euh, dans les prochaines années euh, et c'est vrai que mais par contre là où ça rejoint je trouve euh, voilà on a posté le lien là, du papier de soukane dans le chat mais là où ça rejoint Paris 2024 je trouve c'est JO d'hiver de 2030 c'est que pour moi les deux euh, les deux modèles qui sont proposés, à la fois Paris 2024 et donc Jio et divers donc, euh, 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 en 2030, c'est vraiment pour moi l'illustration d'un système à bout de souffle. Quoi. Ça fait vraiment euh, euh, ouais, euh, dernière résistance avant, ouais. avant l'effondrement. Avant et euh, et c'est pour moi vraiment la démonstration que, que on est sur euh, des tentatives de reproduire des, des vieux schémas, quoi, des années 80, euh, là, avec des canons à neige, euh, Paris 2024, avec, euh, avec, euh, voilà, des, des logiques de, de continuer à bétonner, à faire des grands chantiers et tout. Alors que, alors que, enfin, c'est complètement euh, en décalage avec, euh, avec toutes les préconisations de, à la fois de euh, changement de modèle, de rupture et de ça. Et pour moi, c'est, c'est vraiment la preuve que le Comité international olympique, en fait, sans tête dans un, dans, un, dans un modèle qui n'a pas d'issue. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en en 2016, au moment de la phase de candidature sur Paris 2024, les promoteurs avaient essayé de vendre un peu l'idée que ce serait les, 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 les ouais, euh... des JO d'une nouvelle ère. Quoi. Un peu, on va ouvrir. Euh, et en fait, pour moi, c'est au contraire. C'est vraiment les JO de la fin d'une époque. Quoi. Et c'est vraiment la France à la remorque. Euh, de tous de tout les questionnements euh, du 21e siècle quoi, et en train de faire des, 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 des modèles d'organisation qu'on qu aurait pu effectivement euh, voir dans les années 70 ou 80. Hum, alors, il va les géos d'hiver en juillet. Non, quand même pas, c'est prévu en hiver néanmoins, mais vu les problèmes d'enneigement... Euh... Ça, ça paraît en effet probable qu'il y ait beaucoup de canons à neige mobilisés. Ouais, c'est le c'est bah, En plus, c'est un projet qui est porté par Laurent Vauquier, euh, président de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est un, un fanat de, de, tous les, de tous les dispositifs de canons à neige. Euh, voilà, ah, il, oui, il surfinance. Euh, bah, le maintien d'une industrie qui, euh, en fait, euh, ne résiste pas au dérèglement climatique. Donc, il essaye de retarder l'échéance, mais il n'est pas du tout dans une logique de reconversion de la montagne et des loisirs en montagne, en disant bon, en fait, on est un peu lucide. Euh, et en fait, les stations de ski des années 70 et 80, notamment en moyenne montagne, en fait, elles en Europe. Euh, bah, plus trop d'avenir en fait donc on peut, on peut inventer tout ce qu'on veut en termes d'artificialisation et tout à un moment ça résiste pas au mur du dérèglement qu'on est en train de se prendre Il y a Lucumi qui nous dit mais pourtant Macron a dit que c'était des JO verts et inclusifs ce matin, aurait-il menti Et oui par contre je vous ai pas menti, vous voyez Antoine n'est pas venu avec les gants de boxe et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo ce matin de, de Macron qui parle des JO c'est dans euh, 200 jours maintenant, jour pour jour, hein, que, ça va, que ça va commencer. Alors, Terrence nous demande, est-ce que les sportifs s'élèvent contre tous ces cas de collusion C'est une mobilisation des sportifs euh... bah, Les sportifs, euh, déjà, ils sont concentrés sur une échéance euh, hyper importante. Enfin, ceux qui vont participer au jeu ou qui veulent participer au jeu, qui est une échéance voilà, hyper... pour leur carrière... Surtout que euh, les sports olympiques, ce n'est pas, pas des sports où euh, c'est un peu contre-intuitif, mais ce n'est pas là où il euh, y a les sportifs qui sont les plus riches ou avec des plus grandes sécurités de l'emploi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des appels quand même de, euh, ces dernières semaines et derniers mois de sportifs de très haut niveau qui veulent participer aux Jeux, hein, des sportifs français. On ne parle pas de pays du tiers-monde hein, qui lancent des cagnottes litchis, etc. pour essayer de se faire financer parce que c'est parce que des, des sportifs euh, amateurs. Euh, et donc, qui veulent se dégager quelques mois en fait pour pas avoir à travailler. Et donc, euh, donc ils sont dans une situation de dépendance liée à cet euh, événement-là en fait. S'ils veulent participer aux jeux, s'ils veulent pas être blacklistés par leur fédération, et même juste par nécessité de se concentrer sur les chances sportives. En fait, ils vont pas commencer maintenant à à, à contester le modèle d'organisation, etc. Après, il y a des. Euh, C'est toujours pareil. C'est pas un bloc monolithique. On parle, moi, je parle pas. On, on, en tout cas, je ne vais, vais pas dire que tous les sportifs pensent la même chose. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il qu y a, euh, en tout cas dans l'entre-soi des dirigeants euh, sportifs, il y a pas mal d'anciens athlètes de, de haut niveau. Le patron du comité d'organisation, c'est Tony Estanguet, qui est ancien champion olympique de, de Canoë. Euh, il, y a, voilà, il y a pas mal d'anciens sportifs qui se reconvertissent et qui, eux, euh, quand ils deviennent dirigeants, bah, reproduisent finalement ce modèle de copinage d'endogamie et voilà. et, euh, parce qu'ils en vivent aussi donc, euh, donc de ce point de vue là c'est tout à fait entendable Terrence se souvient d'un article de Mediapart où il était question du fait que les sportifs français étaient dans une certaine précarité sous prétexte que ça les motivait à se dépasser je n'ai pas souvenir de cet article en parlant d'article je bascule sur la vue hop donc, ça, c'est l'article que Antoine a choisi. Si jamais je ne te l'ai pas dit ah, au moment où tu veux faire une pause, ou si je vois que tu n'as plus d'eau, s'il faut remplir l'eau ou quoi, on a un petit écran que je meurs euh, d'envie de mettre parce que c'est une chanson très entêtante, très encore pire que le générique. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion. Donc, euh, c'est parti pour la, la lecture. On a fini les questions. Vous pouvez bien sûr continuer à poser des questions dans le chat au, au, tout le long de la lecture. On, on garde un œil sur ce que euh, vous demandez. JO 2024, la candidature de Paris minée par des conflits d'intérêts. L'agence d'événements Kénéo a déjà reçu plus de 2 millions d'euros de contrats de la candidature française aux Jeux Olympiques, expertisée par le CIO durant 5 jours, du 13 au 17 mai. Cette agence a été fondée par l'actuel directeur général de Paris 2024 et dispose d'une autre recrue de choix pour faire fructifier ses affaires, l'ancien responsable aux grands événements sportifs à Matignon, Souvals et Cazeneuve. Le timing est idéal. En pleine passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, la commission d'évaluation du Comité international olympique arrive à Paris ce week-end pour une visite décisive en vue de l'attribution des JO 2024. L'accession au pouvoir d'un leader jeune qui va au-delà des clivages politiques, qui a un discours ouvert et en phase avec les valeurs que l'on veut porter, ainsi que s'en est félicité mercredi auprès de l'AFP Tony Estanguet, coprésident de la candidature, représente selon Paris 2024 un certain avantage. Là, on est en juillet 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. Il y a, il y a, donc Emmanuel Macron vient d'être élu. Et après, il va y avoir des événements où il va jouer sur les ah bords oui, de Seine, oui. au tennis, etc. Et, et c'était vraiment l'image voilà, de, 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 de la jeunesse, d'un pays sportif. Et, de ça, quoi. et euh, ils ont voilà vraiment poussé cet avantage-là. Et donc, c'est à ce moment-là que qu'on que, qu publie cet article sur, sur les conditions dans lesquelles en fait, sont distribués les contrats au moment de la phase de candidature, donc avant, euh, avant de rentrer dans la phase d'organisation des jeux. D'autant que le nouveau président de la République souhaite clairement s'impliquer dans un projet qu'il juge primordial. Emmanuel Macron a d'ores et déjà fait part de son souhait de rencontrer les membres de CIO au cours de leur visite et envisagerait, selon son entourage, de nommer un référent spécial auprès du Premier ministre ou du président de la République. Mais au-delà de ses positions de principe, le nouveau locataire de l'Elysée aura-t-il la volonté de bousculer une candidature qui fonctionne en basse-clos bon, C'était une question en 2017. La réponse <laughs> en 2023-24 maintenant est non. Voilà. <laughs> Un épisode illustre à lui seul l'endogamie problématique entourant le dossier de Paris. Au sortir d'une réunion l'automne de dernier, Edouard Donnelly, le patron de la société d'événementiel Kenneo, principal prestataire de Paris 2024, s'entretient avec Loïc Durocel. Conseiller de Manuel Valls, chargé de la politique de l'État sur l'accueil des grands événements sportifs. Bon, après, tu fais quoi demande le PDG à cet interlocuteur institutionnel incontournable. La fin du quinquennat approche et les chances socialistes à la présidentielle sont déjà quasi nulles. Les conseillers ministériels cherchent tous à se recaser. Pour Durocel, le marché est vite conclu. Cinq mois plus tard, le voilà bombardé directeur général adjoint de Kenea. Keneo. La commission de déontologie, passage obligé pour tout agent public qui bascule dans le privé, n'a rien trouvé à redire à cette mutation express. En octobre, elle avait déjà laissé filer son sourcier à l'UEFA, l'ancienne concert sport de l'Élysée, Nathalie Yanetta. Qui est aujourd'hui euh, responsable du service des sports de Radio France. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'endogamie avec les médias aussi. On a un bel exemple. Nathalie Yanetta, elle avait été... Euh, notamment à Canal ⁇ Ensuite, elle a été recrutée concière sport à l'Elysée sous François Hollande et maintenant elle est dans le service public. Cette institution, siégeant à Genève, avait pourtant reçu de la part de l'État quelques mois plus tôt un impressionnant cadeau fiscal dans le cadre de l'Euro 2016 de football. Cette fois, la commission a tout de même émis quelques réserves. Loïc Durosel, qui a été au cœur de la politique sportive du quinquennat et a notamment participé au processus de décision de l'aide de l'État au Géo en cas de désignation de Paris, environ 1 milliard d'euros, n'a en théorie pas le droit chez Kenéo pendant les trois prochaines années d'avoir de relations professionnelles avec les anciens membres de son cabinet. Il lui est également interdit de plancher sur des dossiers dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions ministérielles. Là, pour expliciter un peu, le, un peu les, les choses, c'est quelque chose de d'assez courant enfin qui s'est accéléré euh, ces dernières années en gros on a donc un conseiller ministériel Louis Durosel qui euh, qui travaille à Matignon auprès du premier ministre Manuel Valls et qui est débauché euh, qui part dans le privé en fait euh, auprès de de Keneo, et il passe devant une commission de déontologie où il dit bah voilà mon projet professionnel et la commission d'autologie lui dit bah écoutez très bien mais euh, vous avez le droit de rejoindre cette entreprise mais ce qu'on vous demande pour garantir euh, voilà c'est en termes d'indépendance de, 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 de des décisions de l'État et puis en termes d'éthique c'est important vous pouvez pas interagir avec sur, avec les avec les, les, les personnes ou les dossiers sur lesquels vous étiez en fonction euh, ministérielle ça veut dire par exemple vous pouvez pas donner d'informations privilégiées de ça mais c'est quelque chose qui est euh, souvent peu contrôlé en fait, et c'est là où ça pose problème parce qu'on se dit très bien que l'intérêt de Kenéo, bah, c'est évidemment de recruter euh, cet ancien conseiller pour ce qu'il a été auprès de Manuel Valls. Quoi. et euh, là, ce que je pointe dans ce paragraphe là, mais on va voir après le, le détail c'est qu'en fait, il était euh, euh, du côté du, des pouvoirs publics hein, en fait, il devait euh, donc défendre euh, l'état. Euh, et c'est lui qui a euh, donc auprès de Manuel Valls euh, fait un certain nombre euh, d'arbitrages, notamment sur les financements qui vont être ensuite accordés à Paris 2024. Et euh, juste euh, quelques mois plus tard, en fait, il part chez l'un des principaux prestataires. Euh, de Paris euh, 2024, donc il change totalement de, de, de casquette euh, et, euh, et en fait au, béné au, au profit d'un acteur privé qui lui-même bénéficie très largement de, de la candidature qu'il avait euh, suscité quand il était à Matignon. Donc déjà il y a une situation qui est voilà, de ce point de vue-là qui euh, interroge et on va voir ensuite que en plus de ça, euh, ben, effectivement il est on lui a demandé de ne de, de, de pas interagir, et, en fait il continue euh, à gérer le dossier. Ces précautions n'ont pas freiné l'enthousiasme de Thierry Jadot, le PDG de Densu Aegis Network France, actionnaire de Kénéo depuis septembre dernier, lequel a loué lentre de son nouveau DGA dès l'annonce de son recrutement. Très heureux de l'arrivée de Loïc Durosel afin de renforcer notre expertise sur le marketing sportif à visée institutionnelle et publique, a-t-il claironné sur les réseaux sociaux. À Mediapart, Edouard Donnelly tient à rassurer sur le fait que son nouvel employé n'intervient pas sur Paris 2024, dossier pour lequel il y a déjà une équipe en place au sein de Kénéo. L'ancien conseiller de Valérie Fourneyron au ministère des Sports puis de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve à Matignon dirige dans l'entreprise toute la partie conseil auprès des différents acteurs du sport et des collectivités que nous accompagnons sur ces différentes questions d'organisation d'événements, de candidatures et plus largement de politique sportive, ajoute son patron. Loïc Durossel confirme Je suis en charge de piloter les activités de conseil pour les institutions sportives, les collectivités territoriales et les entreprises qui souhaitent investir dans le sport. Au-delà de l'univers du sport, j'apporte à l'ensemble des équipes de la société mon expertise et ma connaissance du fonctionnement des institutions publiques. Un exemple de ses missions actuelles Il réfléchit à une stratégie de communication à l'égard des pouvoirs publics, expose Edouard Donnelly. Mais encore, on travaille toujours dans le handball, dont il a repris un certain nombre de missions dans le cadre de l'organisation des événements futurs. Étonnant. La commission de déontologie a justement proscrit toute intervention de l'ancien conseiller dans les dossiers en lien avec les derniers championnats du monde de handball organisés par Keneo en janvier dernier, quand Loïc Durosel était encore au cabinet du Premier ministre. Là, c'est un exemple voilà très concret de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait donc moi dans cette enquête-là, j'avais demandé à la commission de déontologie, j'avais vu que Loïc Durosel avait rejoint Keneo, et j'avais demandé l'avis à la commission de en me disant voilà, est-ce qu'il il vous a vraiment demandé l'autorisation Parce que c'est une obligation pour les conseillers ministériels. Avant, c'était la commission de donc qui était rattachée au ministère de l'économie et des finances. Maintenant, la commission de a été avalée par la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Mais dans les deux cas, en fait, euh, c'est une obligation pour les conseillers ministériels. Donc j'ai demandé à, à l'époque à la commission de est-ce qu'il vous a bien saisi euh, pour rejoindre cet acteur privé-là. Donc, la commission de déontologie m'avait répondu oui. J'ai demandé une communication de l'avis. Et en fait, en lisant l'avis, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient, donc d'interventions qui étaient euh, un, totalement interdites. Euh, parmi lesquelles, donc, euh, les dossiers en lien avec les derniers championnats du monde de, de handball. Euh, et en fait, j'étais en entretien donc, avec Edouard Donnelly, son, son chef. Quoi. Et je lui ai dit, bah, et en fait, si Loïc Durosel est euh, embauché par euh, Kenéo mais pas pour travailler auprès de, de, du, 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 du gouvernement et sur les dossiers sur lesquels il, il, il était mobilisé avant en fait qu'est-ce qu'il fait dans votre entreprise donc il y avait des, des réponses un peu euh, vagues quoi il réfléchit à une strat stratégie de communication à l'égard des pouvoirs publics que j'ai écrit dans l'article c'est pas très très clair quoi donc je relançais pas mal et c'est là où il m'a dit bah par exemple euh, voilà sur le handball dans le cadre de l'organisation des événements futurs et en fait c'est là que j'ai vu que bah, qu'il y avait quand même une Incohérence est quelque chose d'assez étonnant parce que, parce que dans l'avis de la commission, il était clairement mentionné que justement il fallait pas qu'il intervienne sur les champions du monde de, de handball. Il en faut pourtant plus pour troubler le petit monde de l'Olympisme où le mélange des gens et des genres semble être une marque de fabrique. Étienne Taubois en sait quelque chose. Le cofondateur de Kenneo a été propulsé à la tête du groupement d'intérêt public Paris 2024 le 16 juillet 2015, soit 30 jours exactement après avoir revendu ses 105 000 euros d'actions dans la société. En avril 2015, Taubois, alors chez Kenneo, était désigné comme prestataire de l'association Ambition Olympique, le prédécesseur du groupement d'intérêt public, afin de consolider les bases techniques de l'organisation. Depuis qu'il est passé de l'autre côté, le GIP Paris 2024 qu'il dirige et qui est doté de 30 millions d'euros d'argent public de l'État, de la région Île-de-France et de la mairie de Paris, a déjà accordé deux autres contrats à son ancienne société. L'un pour l'élaboration du premier dossier de candidature remis au Comité international olympique en février 2016. L'autre, dans le cadre d'un appel d'offres ayant vu Kenéo remporter 5 lots sur 10 pour la coordination générale et l'édition d'un nouveau dossier de candidature, ainsi que pour mener la réflexion sur l'organisation des transports et du village olympique pendant la compétition. En tout, selon les informations de Mediapart, ces missions représentent plus de 2 millions d'euros de contrats. Pour être clair, si on le prend dans la chronologie, c'est assez simple. On a donc Étienne euh, Taubois qui est actionnaire. Et dirigeant d'une société Kenéo et qui est donc euh, mandaté par une association Ambition Olympique pour euh, réfléchir aux prémices d'une candidature de Paris 2024. Donc là, on est en avril 2015. Euh, Kenéo commence à travailler sur le projet et là, on a la constitution d'un groupement d'intérêt public pour aller plus loin dans, dans l'exploration de la possibilité d'organiser les, les JO. Euh, et ce groupement d'intérêt public, donc cofinancé par l'État, la région et la mairie de Paris, donc de l'argent public euh, à hauteur de 30 millions d'euros, chacun met 10 millions d'euros, euh, a besoin d'un directeur et donc on va appeler Étienne Taubois en disant bah vous êtes très fort hein, voilà là-dessus, c'est vrai que on le verra dans le reste de l'article, ils ont c'est quelqu'un qui dans ce petit milieu de l'organisation des événements sportifs a déjà travaillé sur des, euh, sur des dossiers de candidature et de ça donc on, on dit à Ken Toba, eh bien, est-ce que vous voulez rejoindre la direction générale euh, du groupement d'intérêt public Donc, euh, il accepte. Il est payé pour ça, hein, il est rémunéré. Euh, il vend ses parts dans la société euh, Kenéo et, euh, et, en fait, on découvre euh, à la faveur de cet article que euh, bah, la majorité des contrats pour la rédaction euh, de la, du dossier de candidature, en fait, sont réalisés par Kenéo par euh, en fait euh, son ancienne boîte mais aussi euh, dont euh, les dirigeants sont ses euh, collègues, ses amis et ça avec qui il a une, une grande euh, proximité. Et donc on est dans quelque chose de, un peu euh, détonnant en fait, on fait appel à quelqu'un pour ses compétences en disant bon on va les avoir en propre, on le salarie au sein de l'entreprise et et en fait, l'un des euh, réflexe immédiat du, du groupement d'intérêt public, c'est ensuite de confier euh, à Kenéo pour plus de 2 de millions d'euros des contrats pour la rédaction, la coordination générale, l'édition du nouveau dossier de candidature, euh, etc. Donc, c'est vraiment ça au cœur, de, au cœur de, de, des conflits d'intérêts initiaux. Et ce qui est hyper intéressant et impressionnant, c'est de voir que en fait cette endogamie-là a continué à prospérer. Euh, Jusqu'en 2024, et qu'aujourd'hui, euh, des acteurs, et on en parlera, comme Étienne euh, Taubois, etc., sont toujours euh, à la tête euh, de l'organisation des Jeux Olympiques et toujours avec des jeux de va-et-vient. On reparlera par exemple d'Edouard Donnelly, qui euh, bah, ensuite a rejoint d'autres sociétés, qui maintenant est lui-même au sein du comité d'organisation. Enfin voilà, il y a tout cet écosystème-là, en fait, qui a perduré au gré des contrats sur plusieurs années. Charles Vanne, qui nous dit on comprend mieux la devise de Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Et à Citadel, je me du coup, on connaît déjà les grands vainqueurs des jeux 2024, tout à fait. Ah oui, il y en a qui avaient bien compris les raisons pour lesquelles il fallait une candidature de, de, de Paris et il fallait être à la tête de cette candidature. Mais c'est là où c'est hyper intéressant, en fait, c'est que et c'est là où... Ce qu'on dit en général, en fait, euh, les affaires où, euh, on parlait tout à l'heure des enquêtes judiciaires et de ça, c'est pas quelque chose d'à côté en fait. Euh, quand on parle de politique publique, les affaires elles sont vraiment au cœur euh, des politiques publiques parce que en fait ça explique plein de choses ce mode de fonctionnement-là, y compris euh, moi je me souviens hein, sur les années 2015, euh, 2016, 2017, euh, c'était quelque chose qui était la, la question du modèle d'organisation des Jeux Olympiques euh, et Paralympiques. N'était pas du tout partagé. En fait, il n'y a pas eu de débat là-dessus, il n'y a pas eu de consultation. D'ailleurs, Paris s'est retrouvé seul parce qu'il y avait d'autres villes qui voulaient candidater Budapest, Rome, etc. mais il y avait des mobilisations de la société. Euh, contre euh, l'organisation des jeux, contre ce que représente l'organisation euh, des jeux, euh, ce que représente aussi en termes de, au-delà du symbole en fait, en termes de, bah, de ce que j'expliquais tout à l'heure en fait, de modèles euh, de société qu'on envisage euh, aussi vis-à-vis -vis du dérèglement climatique, des questions de dépenses d'argent public, de priorités en termes d'éducation etc. Est-ce qu'il faut vraiment mettre là-dessus aussi de conception des politiques sportives hein, Il y a Plein, plein d'enjeux de, euh, essentiels en fait derrière ça. Et la manière dont ce débat-là a été euh, en fait privatisé, accaparé dès le départ, en fait, c'est hyper intéressant de l'analyser aussi sur le, ce petit jeu d'acteurs en fait qui fonctionnait en circuit fermé. Et quand on se met de, à leur place, en fait, évidemment, il n'y avait aucun intérêt à élargir à la fois le cercle des participants et la discussion en fait là-dessus. Parce que commencer à débattre sur l'opportunité ou pas en fait, de candidater pour Paris 2024, qui a jamais été une question, en fait. Le, il y a eu un passage en force euh, euh, sur, sur, sur cette question-là, et de prolonger la discussion sur, en fait, quel modèle, parce qu'il était tout à fait envisageable, par ailleurs, de présenter sinon une candidature en rupture, avec ce qui se faisait sur les euh, décennies précédentes, et de dire, bah nous, on est Paris 2024, mmh. en fait, on propose des JO totalement euh, différents. Surtout que, Paris avait la main parce que c'était la seule candidature en 2024. Donc ils avaient, dans le rapport de force avec le comité international olympique, la capacité de dire, oui, en fait, nous, on a envie d'organiser les jeux, mais votre modèle, en fait, il ne correspond pas du tout. Nous, on vous propose quelque chose de différent. Ouais. En fait, ces acteurs-là, euh, non seulement euh, ils sont dans le système depuis, euh, depuis suffisamment de temps pour ne pas concevoir euh, d'en sortir. Voilà, leur modèle, c'est celui-là, il est duplicable ad vitam aeternam, peu importe, importe ce qui se passe, peu importe les alertes du GIEC, etc. Mais en plus de ça, bah, pour des raisons euh, d'endogamie, ils n'avaient aucune, aucune, euh, aucune, euh, aucun enjeu en fait, euh, d'aérer un peu le dispositif et de faire rentrer des nouveaux acteurs. Euh, tu parlais de la mairie et Charlemane dit que la mairie avait participé, mais je pensais qu'elle était contre au départ. Ouais, c'est ça qui est intéressant c'est que les pouvoirs publics, en fait, c'est un projet qui n'est pas du tout né de, de l'Élysée ou de la mairie de Paris ou de la Seine-Saint-Denis, -Saint parce qu'on en parle beaucoup ouais. maintenant en disant oui, c'est des jeux pour la Seine-Saint-Denis -Saint et tout ça. Non, non, les pouvoirs publics étaient à la remorque euh, de, de, de la candidature et c'est vraiment quelque chose qui est né du mouvement sportif. C'est vraiment. Il y a une tentation de toute façon en France depuis, depuis des décennies. Hein, mais c'est est quelque chose qui est, qui est assez peu connu. Et, et d'ailleurs, qui est même peu traité, même dans les, dans les partis politiques d'opposition, par exemple. Mais la question de l'autonomie du mouvement sportif est un peu au cœur. Même de la problématique des, des JO, c'est quelqu'un, le projet de Paris 2024, c'est quelque chose qui a émané d'acteurs du monde sportif, donc soit euh, des sportifs reconvertis, soit des professionnels de l'organisation d'événements, là comme on en a parlé avec Étienne Taubois, Edouard Donnelly, Loïc DuRosel, etc. Euh, voilà des acteurs euh, euh, qui font de l'événementiel sportif, en fait, des acteurs privés. Euh, après, il y a eu le rôle de Bernard Lapassé, j'en parle aussi de, 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 dans, dans cet article, euh, qui est lui l'ancien président de la, la Fédération internationale euh, de rugby. Euh, qui est décédé aujourd'hui mais euh, François Hollande euh, comme Anne Hidalgo était, euh, était très très en retrait euh, aux prémices de la candidature après pour des raisons euh, y compris d'opportunisme politique hein, euh, euh, bah pour Anne Hidalgo, on voit très bien l'enjeu que représente aujourd'hui l'organisation des, 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 des Jeux de Paris. Pour euh, aussi, pour les élus de Seine-Saint-Denis, qui est un, un département qui est méprisé euh, par l'État depuis, euh, depuis des décennies, on peut comprendre aussi qu'ils se soient ralliés en se disant, bah, enfin, on va avoir des financements, on va avoir euh, peut-être la possibilité de poser des projets. Enfin, il y a eu une coalition à un moment. Et par contre, euh, la manière dont euh, le projet s'est organisé en absence totale de concertation et euh, dont l'idée en fait de candidater à Paris du M4 s'est imposée ça ça émane pas du tout euh, de la mairie de Paris à la base. Ah, il y a un fan qui pose une question est-ce que les jeux ne sont pas juste l'image de notre société d'un côté les organisateurs et sponsors qui avec leur malversation habituelle collusion D'impôts, conflits d'intérêts, entiers profit et d'autres des travailleurs et travailleuses de tous les secteurs qui, comme les sportifs et les sportives, les mettent en œuvre sans pouvoir en tirer de réels bénéfices et sont dans l'incapacité matérielle de s'opposer à ce système. Bah, je, je, je pense que ça touche du doigt, effectivement, euh, 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 indépendant de la problématique, mais je, moi, je pense que sur. Euh, euh, que sur Paris 2024, en fait, il y a plein de points d'entrée différents, euh, et que effectivement, en fait, là, c'est l'illustration de, de ce que vous pouvez euh, décrire. Moi, je trouve que c'est il, il, il y a quelque chose qui est assez fascinant là, à quelques mois des Jeux, de constater à quel point en fait la puissance publique euh, dans toutes ses dimensions. On va parler sans doute de la sécurité là où on est en train de, Il y a eu les annonces de Laurent Nunez, préfet de police de Paris, de, expliquant qu'il il voulait mettre en place des QR codes, et oui. ça En fait, la manière dont, dont tout est en train de se déployer. Là, le ministère de l'Intérieur, on parlait tout à l'heure de, de la justice, etc. Voilà, il va y avoir l'État, le régalien, vraiment, se met, se met au service des JO, euh, voilà, de manière, de manière assez incroyable, quoi. Euh, et je pense qu'on n'a pas fini d'en de, voir dans les, dans, dans les mois qui, qui arrivent. Et c'est assez fascinant de voir, en fait, au service de quoi. Euh, et là, on rejoint la question, effectivement, des organisateurs et sponsors, en fait. C'est que tel que ça a été vendu au départ, mais dans un discours, euh, euh, pour faire passer la pilule quoi mais d'expliquer que en fait c'était euh, bah, Paris 2024 quelque chose qui allait servir la saint, saint denis qui allait permettre aussi en termes de politique sportive euh, de développer euh, et de rattraper le retard en, en France euh, aussi de mener une politique éducative euh, bon on se rend compte puis on avance que effectivement tout ça était... été était certes euh, dans le dossier de candidature, mais qu'il n'y avait pas grand chose derrière en réalité. Euh, mais par contre, c'est vrai que là, on est en train de mesurer euh, bah, qu'il y a des efforts euh, de l'État qui sont absolument considérables et des efforts aussi qui sont demandés à la population euh, à Paris et en, en petite couronne euh, qui, vont être, qui vont être absolument considérables. Et en fait, au profit. Bah, D'acteurs de l'événementiel du sport, quoi. Si on résume et si on regarde avec lucidité les choses, donc c'est donc vrai que c'est, il y a, y a tel, que, tel que vous le pointez, voilà, de ce point de vue-là, je trouve euh, euh, quelque chose qui est euh, qui, euh, très illustratif, effectivement, de, de, de l'époque qu'on qu qu est en train de traverser. Mais quand je parlais aussi de d'autonomie du, et de politique et sportive, en fait, et d'autonomie du mouvement sportif. Je trouve que là, on touche à une autre problématique, en fait. Quand... Et c'est pour ça que je le mettais un peu dans une trame historique. Si on reprend, par exemple, au sortir de la guerre et après, sous la présidence de Gaulle, il y avait vraiment une volonté un peu gaulienne et aussi des présent chez les communistes, toujours dans une volonté très étatique, mais en fait, de faire du sport un vrai enjeu éducatif, populaire, national et ça. Euh, avec aussi des visées nationalistes voilà. mais il y a eu après ensuite à partir des années 70-80 tout un mouvement de déconstruction et de rapport de force extrêmement euh, important euh, là-dessus et c'est pas pour rien par exemple que l'une des ministres des sports qui est aujourd'hui encore euh, les plus reconnus pour ce qu'elle a fait au ministère, au ministère des Sports, c'est Marie-Georges Buffet, qui était une ministre sous Jospin, un ministre communiste, euh, ministre des Sports, et qui, elle, en fait, est réputée parce qu'elle a su, quand elle est arrivée au ministère des Sports, justement dans une conception très étatique, en fait, bah, affronter les acteurs du mouvement sportif, euh, en fait, euh, expliquer que non, il était du rôle et du devoir de l'État de s'impliquer dans la gestion, par exemple, des fédérations sportives, de prendre la main sur l'organisation des grands événements, etc. Avec, euh, après, on peut considérer que c'est des bons ou des mauvais choix politiques, mais en tout cas, elle considérait que bah, le sport et ce domaine-là était quelque chose de suffisamment important, sérieux, pour pas être laissé entre les mains d'acteurs euh, euh, privés ou euh, d'acteurs euh, souhaitant euh, s'extraire et s'extirper du, du, du rôle de l'État. Et ce que dit euh, l'organisation de Paris 2024 et la conception qu'en a aussi, par exemple, Emmanuel Macron, c'est un effacement de l'État, sauf sur les questions régaliennes la sécurité et, 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 et la justice, par exemple. Mais si on prend euh, la, les questions éducatives, par exemple, c'est voilà, assez hallucinant euh, de, de voir à quel point cet enjeu-là a été totalement négligé pendant la préparation des Jeux olympiques, si bien qu'en termes d'héritage, de, de conséquences de Paris 2024, euh, notamment au sein de l'éducation nationale, etc., ce ça, ça sera totalement, totalement faible, voire euh, quasi nul. Oui, et puis comme le fait remarquer Charlevan, en fait, le, 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 le code QR, le gen code, là, ça pourrait aussi être sorti après, une fois que ça a, commenté, que ça a été installé au moment du jeu, ça pourrait être sorti en cas de manif. Ou... Bah ça, c'est le grand classique, hein. c'est ouais. le grand classique sur les questions de liberté publique notamment. De... Et le sport est un bon laboratoire pour ça. Je... Il suffit de voir comment le mouvement des ultras dans le foot, par exemple, a été, a été ciblé pour des expérimentations. Euh, et, et notamment sur les atteintes graves aux libertés publiques en fait euh, personne s'en plaignait trop parce que bon, les ultras de foot, voilà, en gros c'était pas du tout popularisé comme, comme débat et après maintenant quand ça tombe sur la population euh, en général et ben, voilà, on a fait des articles aussi là-dessus je vous inviterai à aller, à aller à les lire mais il y a des atteintes et effectivement, l'organisation d'événements permet et le traitement des foules notamment autour des événements sportifs. Ça permet d'expérimenter de, de, euh, tout un tas d'outils qui, évidemment, euh, ensuite euh, rejaillissent dans d'autres contextes. Quoi. Hum. Terrence, j'ai vu ta photo, ta photo, ta question sur la haute autorité, etc. Je reprends un peu la lecture et après, euh, je la pose. Euh, le marché du Club France annulé pour irrégularité au sein de la ruche où germe le projet de candidature, un vaste open space dans lequel trône un écran qui comptabilise les jours restants avant le vote du CU en septembre. La position centrale de Kenéo dans le dossier parisien est clairement assumée. Le directeur financier du GIP, Guillaume Cussac, un ancien banquier d'affaires, insiste sur la rigueur des procédures d'appel d'offres. Chaque personne qui entre dans le comité de candidature doit déclarer toute situation pouvant être assimilée à une situation de conflit d'intérêts. La commission d'appel d'offres délibère sur la participation effective des personnes et nous avons un contrôle de l'État, et c'est normal, qui cherche à s'assurer de la bonne gestion de l'argent public. C'est un point sur lequel nous avons fait très attention, sans pourtant se priver de travailler avec les meilleurs, complète Étienne Taubois, en, en assurant s'être systématiquement retiré des commissions d'appel d'offres dès lors que Kenéo était concerné. Nous sommes en France dans une situation dans laquelle nous n'avons pas fait les Jeux depuis 100 ans, donc trouver des gens qui maîtrisent et qui connaissent l'organisation de grands événements, c'est une chose. Des Jeux olympiques, c'est autre chose, ajoute-t-il. On est dans un petit milieu avec peu d'experts. Keneo est la seule entreprise française à travailler spécifiquement sur ce sujet. À quelques jours plus tard, son ancien associé, Édouard Donnelly, à la table d'un café parisien. Le passage du prestataire vers le client est finalement quelque chose qu'on qu retrouve tout le temps. Si dans ce petit milieu, on ne pouvait pas travailler pour les gens avec qui se trouve, avec qui se trouve d'anciens collaborateurs ou avec qui on a déjà travaillé avant, on ne pouvait plus travailler avec personne. C'est pas leur faute, en fait. Ouais, ça, ça c'est l'argument. Les l'argument numéro 1 voire le seul euh, et c'est euh, quelque chose que j'entendais je, je, en 2016 2017 et que j'ai entendu 2018 2019 2020 2021 22 23 et on l'entendra en 24 sans doute c'est euh, en fait l'idée selon laquelle en fait on est euh, très peu à être très bon et donc euh, en plus il faut aller vite mm. donc, euh, donc on n'a pas le choix euh, c'est euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, euh, en fait il euh, y, y a un côté euh, et la euh, enfin, entre l'œuf et la poule quoi qu'est-ce qui génère euh, euh, la précipitation par exemple et c'est vrai que si on veut aller très vite et que on fonctionne en tout petit groupe ben, en fait c'est plus euh, efficace quoi et que effectivement euh, demander son avis à la population euh, ça prend du temps, euh, euh, ça prend du temps. Euh, réfléchir à euh, l'opportunité ou pas d'organiser des jeux de euh, modèle de jeu, on a envie d'organiser si la population en est d'accord euh, euh, avec qui, euh, comment, comment on fait émerger aussi de nouveaux acteurs parce qu'en fait si on fait toujours travailler les mêmes aussi c'est sûr qu'à un moment bah euh, l'expérience et la connaissance en fait elles se diffusent pas et, euh, et les mêmes, voilà, les mêmes qui disaient en 2016-2017, bon, bah en fait, il faut qu'on fasse vite un dossier de candidature, parce que je le dis là, c'est donc l'article date de juillet 2017 et euh, la candidature française va être validée par le CIO en euh, septembre 2017. Donc les mêmes qui disaient faut aller très vite euh, sur euh, sur euh, la candidature, bah après ils ont dit bah, faut aller très vite sur l'organisation, parce que c'est 2024. Là où par exemple Los Angeles, qui était donc un moment en concurrence avec euh, avec Paris pour obtenir les Jeux de 2024 a dit Bah, nous en fait, on va prendre 2028, quatre ans plus tard, parce qu'on va avoir plus de temps. Et en fait, avoir plus de temps, ben, ça, permet de, ça permet de mieux s'organiser, ça permet d'être moins pressé donc accessoirement de gagner de l'argent. Parce en fait, euh, faire des travaux rapides, bah, ça réclame des moyens supplémentaires. Il faut plus d'ouvriers, il faut sur les chantiers, il faut travailler la nuit. Il euh, faut, euh, quand on creuse des tunnels euh, pour le métro voilà, bah, en fait, il faut plus de tunneliers. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc euh, en fait, Los Angeles a dit dans la bataille avec Paris, oh, allez sur 2024. Nous, on va réfléchir sur et on va aller sur 2028. Donc, ils ont gagné quatre ans de plus, ce qui aurait euh, bah, notamment permis. Peut-être effectivement de faire émerger euh, d'autres acteurs, mais euh, l'avantage de devoir euh, aller vite en petits groupe, bah, c'est qu'on reste entre soi. Oui, puis comme le dit commis euh, la population, si elle est consultée, risque de dire non. Si euh... on prend le, le risque de demander... Au... Oui, c'est prendre le risque, c'est prendre le risque déjà d'avoir de prendre un, potentiellement un refus. Après, moi, je... Euh, je ne suis pas sondeur et, euh, et je me méfie en plus beaucoup des, des sondages. Genre, honnêtement, je ne sais pas ce qu'aurait ce que, ce qu pu dire la population euh, en 2016 ou 2017, euh, ou même les acteurs de, le, les représentatifs de la société, euh, élus comme acteurs de la société civile, du, du monde associatif et de ça, au sens large. Euh, Peut-être qu'un bah, projet bien ficelé, intéressant, etc., aurait pu. Euh, aurait pu euh, euh, bénéficier de l'approbation d'une majorité de la population et de ça mais c'est sûr que du coup ça implique aussi de d'émettre des hypothèses d'être contredit euh, bah, d'accepter de ne pas s'enfermer dans des certitudes de revoir peut-être les choses à la baisse aussi d'installer par exemple un rapport de force avec le comité international olympique Pardon. Pardon, je me rapproche, désolé. Euh, aussi d'installer de, de, un rapport de force avec le Comité international olympique, parce que donc, euh, la candidature de Paris 2024 était proposée euh, au CIO, euh, et il n'y a jamais eu euh, d'engagement de négociation, en fait. Alors même que Paris et la France étaient en, dans un rapport de force parce que, euh, favorable, parce que euh, bah, c'était la seule candidature. Quand j'ai expliqué que Los Angeles avait dit bah nous ok pour 2028, en fait si Paris disait euh, bah, ce sera 2024 mais à nos conditions à nous. Donc votre modèle en fait euh, totalement climaticide et Nous on n'en veut pas, on veut faire un truc euh, totalement différent, euh, innovant euh, pour plein de raisons et en rupture avec ce que vous proposez depuis des décennies. En fait, Paris était en capacité de proposer quelque chose d'autre, mais euh, les promoteurs de la candidature euh, n'étaient pas du tout sur ce registre-là et donc n'avaient pas envie euh, aussi vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de, de du reste de la population de partager une possibilité de réflexion sur sur cet enjeu. Non, je suis aussi bien dans le face. N'hésite pas si tu veux me changer un peu enfin, te Je suis penché sur ma chaise, mais ça... Va. Pas que aies mal au dos. Pour percer rapidement dans ce petit monde, Kenneo a pu compter sur un mentor de poids. Bernard Lapassé, ancien président des fédérations françaises puis internationales de rugby, devenu la tête pensante de Paris 2024, dont il est l'un des co-présidents. C'est lui qui a couvé Taubois et donné-lui lors de l'organisation réussie de la première Coupe du monde de rugby en France en 2007. L'année suivante, les deux entrepreneurs fondaient leur propre agence, décrochant dans la foulée une pluie de contrats avec les instances olympiques. Son savoir-faire lui a par exemple ouvert grand les portes du Comité national olympique du sport français, pour lequel Kenéo conduit depuis une décennie des missions en tout genre évaluation de dossiers, accompagnement de candidatures, rapport d'expertise. À l'étranger, la société a aussi accompagné les candidatures victorieuses des JO de Tokyo 2020, ainsi que des Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne la même année. En 2012, Canéo aurait aussi dû gérer le club France des Jeux de Londres, installé dans un somptueux immeuble victorien sur les, ri les rives de la Tamise. Mais, comme le prouve un courrier consulté par Mediapart, ce contrat a été subitement annulé face aux soupçons d'irrégularités dans la passation du marché. Dans le contexte actuel où prévaut une certaine suspicion, quant à l'usage des prérogatives dont bénéficient les organismes chargés d'une mission d'intérêt général. Il est apparu que les modalités de mise en concurrence retenues par le CNOSF pourraient ne pas être suffisantes à l'aune des exigences légales, expose alors, dans le, expose alors dans le document de Nima Seglia, le patron de l'Olympisme français. Alors que la procédure d'appel d'offres a été lancée, nos conseils juridiques nous font observer que nous ne respections pas rigoureusement les dispositions de l'ordonnance de 2005, confirme, confirme aujourd'hui son service de communication. Finalement écarté, Kenéo a tout de même été dédommagé. Pour quel montant Clause de confidentialité répond le CNOSF. On n'a aucune idée du coup, du montant. Aucune, aucune, aucune... Oui, c'est très curieux en fait. Kenéo avait remporté le, le, le marché avec le, le CNOSF, donc le Comité National Olympique du Sport Français, et, euh, et en fait le marché était pipé. Euh, voilà, il ne tenait pas la route. C'est dit en des termes avec un, du jargon juridique, mais en fait c'était. Et donc, ils ont dû annuler, annuler le, 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 le marché. Et malgré cela, l'entreprise a été, alors qu'elle elle en avait, elle avait remporté le marché, elle a été bénéficiée, elle a été dédommagée, pardon. Et, et Kenneo comme le, le CNOSF n'ont pas voulu me dire à l'époque euh, quel a été le montant du dédommagement dont, dont ils ont bénéficié. Et ce que ça montre en gros, c'est que depuis 2007, avec la rencontre avec Bernard Lapassé, ensuite. C'est l'acteur qui est devenu bah, le prestataire privilégié euh, du petit monde de l'olympisme français. Quoi. La constance de ses rapports avec les instances olympiques françaises a également parfois placé la société Kénéo dans des situations pour le moins insolites. Après avoir porté les dossiers de candidature de Paris 2012 et d'Annecy pour le JO d'hiver 2018, Tobois et Donnelly ont par exemple. Était sélectionné en 2011 par le CNOSF pour rédiger un rapport d'analyse des quatre dernières défaites des candidatures françaises au jeu, incluant justement les échecs d'Annecy et de Paris. L'impact de ce document fut loin d'être anodin. C'est en effet à partir de ces conclusions que l'État a décidé de confier au CNOSF la responsabilité des relations internationales en matière de sport et implicitement celle d'une nouvelle candidature. Cette décision débouchera sur la création en avril 2013 du Comité français du sport international Présidé par Bernard Lapassé et soutenu par le ministère des Sports, ainsi que sur le financement d'une étude d'opportunité confiée à kenéo Autrement dit, l'avis des décideurs publics en faveur d'une candidature au JO a été fondé par l'un de ses premiers bénéficiaires. Là, ça rejoint clairement ce qu'on qu développait tout à l'heure, quoi, sur, euh, sur en fait, qui décide réellement euh, et qu'est-ce qui influence la décision de l'État. Donc, on parlait de la, la mairie de Paris, mais, mais donc euh, l'État, la présidence. Euh, de François Hollande, euh, le Premier ministre euh, d'abord Bernard Cazeneuve, puis Manuel Valls, se sont euh, non Ma Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve se sont se sont euh, engagés dans cette candidature là. Et en fait, on se rend compte en détricotant un peu les choses que en fait les dossiers de candidature sont euh, et donc c'était le cas aussi pour Annecy. Les exemples que je donne, en fait, ils sont montés par par une entreprise privée. Euh, et après, quand on analyse les échecs. Pour susciter ensuite la candidature de Paris 2024, en fait, on confie à cette même entreprise privée euh, euh, les enjeux d'analyse de l'échec et de savoir s'il faut refaire une candidature. Donc, on imagine bien si on prend l'intérêt économique de l'entreprise, en fait, qu'elle a tout intérêt à dire bah oui, oui, il faut candidater, il faut truver, parce qu'elle a besoin de contrats en fait là-dessus. Et puis aussi de développer son expertise, qui leur permet après de dire bah regardez, on a tellement l'habitude de le faire que bah en fait il faut continuer à, à, à le faire. Quoi. Et c'est là où je trouve que il y a il y a, en fait, quand on, vraiment quand on regarde des choses de manière euh, précise, il y a, précise, il y a un déficit, en fait, une naïveté politique, en fait, du point de vue de l'État, de euh, bah, d'engager euh, de manière aussi fortement. Euh, les citoyens et les citoyennes sur un projet, sur la base euh, de quelque chose qui est euh, donc euh, pensé, réfléchi, arbitré par euh, par des acteurs privés, totalement euh, privés, qui ont euh, et c'est leur rôle euh, en fait euh, euh, des intérêts qui ne sont pas euh, liés euh, à la réussite euh, collective en fait, qui sont juste euh, de faire prospérer leur, euh, leur entreprise et on ne va pas reprocher à un chef d'entreprise de vouloir euh, augmenter ses marges de manœuvre et son business. C'est pas voilà, c'est en fait il se comporte de manière totalement rationnelle cet acteur économique là, mais ce serait plutôt à l'État en fait de ne pas laisser se, se laisser submerger par les avis d'un seul acteur privé et même de partager un petit peu la, la réflexion et en l'occurrence ça a pas été ça a e pas été euh, du tout fait c'est intéressant parce qu'à l'époque moi quand je commençais à regarder ça et à poser des questions en fait j'étais par ailleurs confronté à des gens euh, dans des ministères qui étaient tout à fait conscients de ça et qui voyaient très bien en fait l'emprise euh, de ce petit groupe de personnes sur la décision publique de quelque chose qui était un peu négligé à l'époque mais qui on s'en rend compte aujourd'hui en fait est euh, extrêmement important. Présenté en février 2015, ce rapport favorable à une nouvelle candidature a rapidement emporté l'adhésion de la mairie de Paris, Anne Hidalgo, longtemps réticente par rapport à ce projet. À peine deux mois plus tard, le Conseil de Paris approuvera ainsi à une très grande majorité l'idée d'une candidature parisienne, suivie trois semaines plus tard par le Conseil régional dîle de france Dans le même temps, le 16 avril, le site de la région annonce la nomination d'Étienne Taubois au poste de directeur général de la candidature tandis qu'il est encore directeur et actionnaire de l'agence événementielle ouais, il n'a même pas le temps de, de partir de son entreprise qu'il qu est déjà annoncé sur le site de la région et donc ça c'était très, très, voilà, très insolite quand même parce que ça voulait dire que l'info était connue de, de, de tout le monde et par ailleurs qu'en en fait il n'y a pas eu de de, 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 de processus de recrutement un peu transparent en fait si on annonce à l'avance euh, comme ça qui va être le, le DG de la, la candidature et d'ailleurs ensuite Étienne Taubois deviendra et est toujours aujourd'hui un directeur général du comité d'organisation euh, donc à la tête vraiment au niveau opérationnel euh, de l'organisation des, des JO et pareil il a été il a il est il est passé de la candidature à l'organisation bah, voilà de manière naturelle en fait. ils se sont auto reconduits euh, de la candidature vers, 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 vers le comité euh, d'organisation donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de changement à la tête euh, de Paris 2024 c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté politique en fait euh, y compris après la phase de candidature de tout remettre à plat et de dire bah, attendez en fait on a peut-être des gens euh, compétents euh, euh, qui euh, euh, pourrait euh, rejoindre la direction générale et peut-être aussi un petit peu dans cette logique de peut-être aérer un peu les, les choses et voir et qui aurait peut-être une vision un peu différente euh, de ce projet. Mais c'est vrai que si on est à l'origine euh, de la préfiguration, ensuite de la candidature, bah c'est logique euh, qu'on qu'on tienne les rênes jusqu'au bout, quoi. Au fil des missions, Kenéo, qui a également rédigé en 2011 pour le compte du ministère des Sports un premier dossier sur les infrastructures du Grand Paris évoquant une éventuelle candidature, a su imposer sa propre vision du projet, note diplomatiquement un proche de Paris 2024, s'étonnant tout de même de la concentration de la réflexion autour d'un seul acteur, notamment en ce qui concerne les questions d'aménagement du territoire. Que dire enfin des enjeux financiers Un sujet, pourtant loin d'être anecdotique, après les fiascos des Jeux d'Athènes et de Rio, reste peu abordé en France. A l'inverse, sous la pression populaire, Budapest et Rome ont renoncé à leur candidature en 2024, laissant Los Angeles et Paris seuls sur la ligne de départ. Depuis 2017, une nouvelle étude aurait dû permettre d'évaluer les retombées économiques d'un grand événement sportif à partir de l'exemple de l'Euro de football organisé à l'été 2016. Mais là encore, le ministère s'est appuyé sur une analyse de Keneo, tout en sachant que la société avait été l'un des prestataires de cette compétition. La rigueur de notre étude n'a pas été altérée par cette position, insiste Édouard Donnelly. Malgré les contestations de certains économistes, ces travaux ont évalué à 1,22 milliard d'euros les revenus générés par l'euro. Ce montant est depuis repris en boucle par les pouvoirs publics qui y voient sans doute un bon motif pour pousser le dossier de Paris 2024. Ce n'est pas qu'Eneo qui s'en plaindra. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, c'est l'accès à l'information publique, y compris pour l'État en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans ce dossier. Et donc, euh, le, le... vraiment, c'est la petite graine là, du, du, du point de départ de Paris 2024. Et aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je trouvais hyper pertinent de se replonger toujours dans la manière dont a été conçu ce projet. Parce que ça n'a pas bougé en plus depuis. Et donc, en fait, y compris l'état dans ces données. Pour analyser la pertinence du projet, Et donc euh, là je donne l'Euro 2016, donc l'Euro de football, euh, on a essayé de voir au sein des ministères euh, bah, qu'elles avaient pu être les retombées. Et effectivement, l'étude a été confiée à Kenéo qui était euh, prestataire de l'Euro 2016. Donc euh, on peut, enfin euh, là encore, Kenéo est un acteur économique rationnel, ils vont pas se tirer une balle dans le pied en disant l'Euro c'est une catastrophe, faut pas faire Paris 4 Voilà, de ce point de vue. Mais euh, du coup c'est la responsabilité de l'État, c'est pas un problème de Kenéo. Entendeu? Kenéo, il fait Kenéo, c'est un, voilà, un agent qui fait son job, euh, mais c'est plutôt à l'État normalement de, euh, bah, pour avoir une prise de décision lucide et euh, objectivée par des éléments euh, de différentes sources en fait, euh, comme comme un journaliste en fait on croise les informations et les sources, et bien là en fait euh, on se rend compte que euh, pour une décision aussi grave et importante que l'organisation des JO en fait on s'est concentré quasiment exclusivement sur un seul acteur. Bah puisque tu parlais de, de ce rapport sur l'euro, il y a Charvagne qui demande « Est-ce que vous savez quand seront remboursés les JO d'Albertville de 92 Serait-il possible de faire un tableau pour le journal avec les différentes fins d'échéancier des événements sportifs JO, Coupe du monde de foot, de rugby, ça parlera euh, ?» Alors, 92, euh, j'avais deux ans euh, et j'ai pas bossé sur les JO d'Albertville. Et, euh, j'ai pas pris le temps de me replonger dedans depuis... Je de euh, j'avais deux ans. Ouais. Ah oui. Non, j'avais deux ans en 92, <laughs> hein, pardon. Euh, et donc c'est pas du tout euh, dans mon, comment dire, dans mon champ d'investigation. Et je pense que si, euh, je présentais à mes chefs, euh, l'idée de, d'enquêter sur les JO d'Albertville, euh, en ce moment, vu la masse de choses qu'on a à faire, etc., je pense que ce serait, euh, une idée un peu loufoque, euh, Ouais bon euh, je pense qu'il faudrait que j'arrive à bien vendre l'idée quoi euh, donc j'ai pas du tout d'infos euh, là-dessus et par ailleurs sur la question des des, des remboursements en fait et du coût des événements c'est hyper compliqué euh, je vais vous donner un exemple là sur 2024 on va avoir une vraie difficulté à chiffrer euh, évidemment nous on va essayer de donner le vrai coût euh, des JO. Aujourd'hui, donc, c'est euh, estimé, c'était 6 milliards au moment de la candidature. Là, on montait autour de, de 10 milliards d'euros. Euh, mais par exemple, il y a tout un questionnement sur la sécurité. Euh, au moment de la phase de candidature, euh, le euh, comité d'organisation avait chiffré euh, la, les, les frais liés et les dépenses liées à la sécurité. Euh, des JO à 200 millions d'euros, euh, ce qui était très faible. Et il faut savoir que donc les JO de Londres, par exemple, il y a eu un dépassement euh, énorme, et c'était notamment sur une sous-estimation des dépenses de sécurité. Euh, ce qui est hyper intéressant dans le dossier, et je l'avais à l'époque, j'avais fait un papier dessus, c'est que dans le dossier de candidature euh, de Paris 2024, non seulement c'est sous-estimé, mais en plus, je rappelle un peu le contexte, on est en 2016-2017, donc en période euh, d'attentat en France. Donc l'excuse euh, qui pourrait être donnée aujourd'hui selon laquelle il y a un contexte euh, sécuritaire particulier en France ne tient pas euh, dans le cas de la candidature de Paris 2024. Euh, le contexte sécuritaire en France en 2016 euh, était euh, déjà suffisamment euh, tendu et exceptionnel pour euh, euh, laisser imaginer qu'il fallait euh, engager des dépenses de sécurité importantes pour un événement comme, euh, comme les Jeux olympiques. Et en fait, il a été complètement sous-estimé dans le dossier de candidature, ce, euh, cet engagement financier sur les, frais, les dépenses de sécurité, mais ça va être quelque chose qui va être... Hyper euh, compliqué à chiffrer pour nous. On va essayer, hein, mais euh, euh, à l'été 2024. Euh, pourquoi C'est parce que, en fait, il y a beaucoup de dépenses qui n'apparaîtront pas. Euh, je prends un exemple euh, les policiers gendarmes, ils vont être mobilisés. Euh, euh, on va leur demander de ne pas prendre de congé. Euh, et en fait, bah, déterminer le coût de la mobilisation euh, sur euh, les semaines de compétition d'une compagnie euh, de, de CRS, en fait, moi, je ne sais pas faire, euh, y compris avec toutes les questions de rattrapage de congés derrière et tout ça. Donc ça, ça va être des informations euh, qui vont être euh, extrêmement compliquées à obtenir euh, et surtout qui vont pas apparaître dans les chiffrages euh, du comité d'organisation, le comité d'organisation, quand ils vont communiquer sur le coût réel des jeux ils vont intégrer des dépenses liées précisément à des, aux installations, par exemple, donc dire les frais de sécurité liés à l'entrée du Stade de France, c'est-à-dire les agents de sécurité qu'on a embauchés, des choses comme ça. Mais par contre, tout ce qui est annexe pris en charge par l'État, et c'est beaucoup, beaucoup de dépenses, euh, bah ça, ça ne va pas apparaître. Je prends un autre exemple, euh, il y a le parcours de la Flamme olympique, donc qui va parcourir toute la France. Euh, et ben pour être accueilli dans les différents départements, les conseils départementaux payent le comité d'organisation pour avoir le passage de la flamme dans tel ou tel département. Ben ça, c'est de l'argent public, en fait, et c'est un chiffrage aussi. Mais ça, ce sera aussi très compliqué, en fait. Toutes ces dépenses annexes-là qui n'apparaissent pas dans le tronc commun de l'organisation de l'événement en tant que tel, mais qui sont par contre bah, du coup des dépenses publiques induites, euh, bah ça ça va ça va ça, ça va être très compliqué pour nous de, de vraiment de chiffrer euh, très concrètement et, et précisément euh, combien combien va coûter euh, l'événement je t'interromps pour souhaiter euh, la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent suite au raid de joyeux sociologue merci pour le raid déjà et oui, désolé, je ne sais pas pourquoi ça frise. Euh, C'est la première fois qu'on a des lags comme ça. Je ne comprends pas. On est sur euh, l'internet en fil, là, ça devrait bien marcher. Donc, je n'ai pas d'explication à vous donner. Euh, juste désolé pour euh, cet inconvénient. Et puisqu'on parlait des coûts, j'ai trouvé sur, euh, hop, sur le... les décodeurs, si vous voulez qu'on passe hop, comme ça, ça marche pas Donc, Ça frise vraiment. Ah oui, on est sur. Euh... D'accord ça arrive. Yes. Sur les, les coûts, alors il n'y a pas euh, pour euh, la question précise sur le, le remboursement d'Albertville, de, de, c'est la différence entre le coût estimé euh, lors de l'élection et le coût final. Donc on voit que des fois c'est des, des écarts assez euh, importants, nous on est là. L'écart de coût, c'est est un grand, grand classique. Euh des JO et d'ailleurs le Comité international olympique est, est largement mis en cause après c'est pour ça que les les Jeux sont souvent impopulaires dans les villes dans lesquelles ils sont ils sont passés quoi euh, parce que bah, il y a le quand même le précédent par exemple d'Athènes après <laughs> qui est avec la, la crise grecque derrière et l'argent qui a été engagé donc on est parfois sur du simple au double quoi euh, et c'était l'une des critiques à l'époque mais dans un petit milieu, mais euh, sur le dossier de candidature de, de Paris 2024, c'est qu'il n'intégrait pas tout un tas de, de, de dépenses qui vont exploser, mais peut-être pas. Euh, voilà, c'est pas parlais, comme si hein. de Pékin. Mmh, ouais. <laughs> et voilà, il y a Sochi, il y a. Et à chaque fois, on est sur des estimations, en fait. C'est ça qui est très compliqué. Et euh, je pense que pour Paris 2024, on aura énormément euh, de difficultés à chiffrer vraiment réellement. Euh, avec euh, avec toutes les conséquences et à prendre tous les postes budgétaires parce qu'encore une fois il n'y a pas que le comité d'organisation ou les infrastructures type euh, stade euh, il y a beaucoup beaucoup de dépenses induites il euh, y avait une question de Terence je remonte parce qu'elle était euh, un peu plus haut pendant la lecture la haute autorité, je ne sais plus ce que c'est le T, c'est vie privée. Euh, ouais. C pour la vie publique, la haute autorité ah, oui. de transparence. Pour la, vie pour publique. la transparence. Ouais. Euh, Peut-elle exercer des contrôles a posteriori pour vérifier que les avis ont bien été suivis Dans la négative, ne serait-il pas opportun de lui permettre de réaliser ce type de contrôle euh, Oui. Ah, donc si la HATVP, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand des, notamment des conseillers ministériels, mais ça vaut aussi pour des ministres, euh, sont amenés à rejoindre le privé. Donc on parlait tout à l'heure du cas de, du conseiller aux grands événements sportifs euh, du Premier ministre Manuel Valls, qui quelques mois plus tard a rejoint l'un des principaux prestataires des, des JO. Euh, et bien donc dans son dans son cas il y avait un certain nombre de réserves qui avaient été émises en disant ok vous pouvez aller dans cette entreprise mais par contre on vous demande par exemple de pas rentrer en contact avec vos anciens collègues ou de pas gérer des dossiers sur lesquels vous aviez des informations privilégiées en tant que conseiller ministériel donc de pas recycler ces informations au service d'un acteur privé euh, bon bah ces réserves elles sont pas toujours respectées euh, donc la haute autorité euh, peut euh, euh, contrôler et vérifier a posteriori si 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 c'est respecté. Mais la difficulté, c'est que euh, souvent la HATVP n'a pas ces informations-là. Donc elle se saisit euh, d'articles de presse euh, ou parfois de révélations euh, de collègues, par exemple, qui pourraient être choqués par une situation et donc pourraient alerter la HATVP. Mais ça se fait euh, un petit peu de manière exceptionnelle. C'est euh, c'est pas. C'est pas la règle du genre, quoi. Et, euh, et surtout, l'achat TVP n'a pas forcément les moyens de reprendre tous les dossiers, et d'aller vérifier ensuite auprès des entreprises concernées que ça s'est bien, euh, voilà, que ça s'est bien matérialisé, parce que c'est des réserves qui sont, par exemple, formulées sur euh, trois ans. Je prends un exemple à Alexandre Benalla quand il est parti de l'Élysée, il a so sollicité la commission d'ontologie qui lui a dit, euh, bah écoutez, on regarde regarde des fonctions que vous exerciez à l'Élysée pendant trois ans, vous n'avez pas le droit de travailler avec. Euh, euh, interagir avec vos anciens collègues, ni de travailler pour des puissances euh, étrangères. et de ça. Bon, bah, ça a été bien appliqué. Euh, voilà, c'est ça. Lui, dans son cas, il voilà, y, y a des doutes, euh, notamment sur des euh, ventes de technologies euh, à l'Arabie saoudite. C'est le dossier des Predator Fights de, euh, qu'a sorti mon collègue Diane Philippin. Et, euh, et voilà, mais en même temps, la HATVP n'est pas en mesure par elle-même euh, d'aller vérifier que tout le monde respecte bien. Et puis, c'est aussi un engagement... Un engagement éthique hein, que, euh, que, que, que prennent chacun des anciens conseillers quand, quand, ils, sont, euh, quand, ils, quand ils font l'objet de ces réserves-là. Après, par contre, s'ils sont rattrapés, eh bien, ça peut donner lieu à des, à des poursuites pénales, quoi. Yann qui dit est-ce qu'on rentre les 100 balles et deux places qu'on donne aux étudiants via leur chambre du Crous dans les dépenses? Bah voilà typiquement ça va être euh, voilà des questionnements et je pense qu'il va y en avoir plein plein comme ça quoi et en fait euh, l'enjeu ça va pas être euh, trop de regarder quel va être le chiffrage annoncé euh, par le comité d'organisation euh, à l'issue des jeux et de, qui dira bah voilà on a dépensé tant d'argent mais il faudra vraiment regarder le périmètre de ce chiffrage là parce que encore une fois on peut faire tout dire aux chiffres alors, je remonte un peu. Est-ce qu'on a loupé des questions dans le chat Est-ce qu'on avait un autre sujet qu'on voulait aborder Vous avez encore le temps, bien sûr, de poser des questions sur le JO, mais c'était si vous aviez envie qu'on revienne un peu sur les derniers rebondissements de l'affaire Perdrio. Juste tout à l'heure, on parlait de... Est-ce qu'il y, des... Est qu y a des athlètes qui, euh... ah, qui contestent oui. un peu je... Il y a un exemple qui me revient en tête, par exemple il y a un, une, grosse, une des grosses problématiques euh, euh, sur Paris 2024, c'est la fameuse pollution de la Seine. Oui. Dans les promesses euh, délirantes euh, de la candidature euh, Paris 2024, c'était d'expliquer de, que euh, n'importe qui pourrait se baigner dans la Seine après, tellement elle serait propre. Euh, donc la Seine, c'est euh, interdit à la baignade depuis euh, un siècle. Euh, pour des raisons euh, <laughs> assez évidentes, euh, c'est euh, voilà, ah, un cours, cours d'eau qui est assez pollué, euh, et donc c'est pas pour rien qu'il y a un siècle en fait les pouvoirs publics ont décidé, et donc il y a des promesses, notamment électorales. Anne Hidalgo n'était pas du tout la première à faire cette promesse-là, mais totalement intenable de dire qu'un jour on pourra se baigner dans, dans la Seine. Et donc il y, y a une difficulté, c'est que l'été dernier, le comité d'organisation a organisé des, des tests events, donc des, en fait avec des athlètes. Euh, pour voir si euh, les conditions de baignabilité de la Seine étaient bien remplies pour les épreuves sportives. Là, on ne parle oui. même pas du grand public. Hein. On parle pour le triathlon. En fait, les épreuves du triathlon sont organisées à Paris sur sur la Seine. Et il euh, y a il euh, y a eu un <laughs> une énorme difficulté, c'est qu'il y a eu des prélèvements qui ont été réalisés euh, dans les eaux le matin même, et en fait, euh, l'eau était trop polluée pour des triathlètes. Donc, je ne parle même pas de nourrissons, d'adolescents ou de personnes qui. Lambda, qui. Voilà. On parle vraiment là de, de gens qui ont. C'est le métier, par ailleurs, de, de, de se baigner parfois dans des cours d'eau pas très propres et qui, eux-mêmes, ne pouvaient pas, ne pouvaient pas euh, bah, en fait juste rentrer dans l'eau. Euh, donc, il y a eu annulation des tests events. Ça a été un peu un moment critique. Le comité international olympique a quand même un peu tiqué en disant « Mais comment ça On pourra pas organiser euh, le triathlon ?» Il y a eu même euh, des, des déclarations assez contradictoires avec des dirigeants de Paris 2024 qui ont dit bah, peut-être qu'on va faire un duathlon. Donc le triathlon c'est euh, natation, euh, cyclisme, course à pied. Ouais, Et donc on enlève euh, on enlèverait la, la natation. Donc, je vous laisse imaginer pour des athlètes qui préparent ça depuis 15 ans l'idée que à quelques mois on leur dise « non mais peut-être <laughs> il y aura pas de natation vous imaginez ceux qui sont forts en natation par exemple se disent mais attendez mais <laughs> qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce voilà on change mon sport en direct euh, donc ça a été la France a été quand même très très euh critiqué et puis ça a été un peu la risée du monde entier quand, quand il y a eu ces déclarations là mais ce qui était hyper intéressant c'est qu'il y a eu tout un tas d'explications fantaisistes par exemple les dirigeants de Paris numéro 24 ont dit que c'était la faute des péniches euh, ou de la sont... pluie la lune virtuelle me dit il y a eu des grosses pluies voilà des, oui les fameuses grosses pluies euh, donc en plus, voilà, faut imaginer qu'on engage autant d'argent sur un événement en croisant les doigts à la veille euh, en se disant on espère qu'il ne qu qu va pas pleuvoir. Non, il y avait les péniches aussi, donc c'était la faute des, 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 des quelques péniches qui sont amarrées sur la scène et qui ne pouvaient pas... Euh, et qui est donc, qui, qui était responsable de toute la pollution. Évidemment, c'est pas du tout le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de, de foyers qui, en, en, en amont, ne soient pas connectés au réseau des eaux usées, euh, des entreprises d'ailleurs qui déversent tout ça euh, depuis, ça fait des décennies, hein, et on va pas rattraper ça en quelques. En quelques mois, mais c'est voilà, c'est expliqué aussi tout à l'heure. On parlait des conséquences en fait, euh, bah, elles sont vraiment euh, pluridimensionnelles. Pluri, euh, il y a, y a beaucoup de en fait, il y a un entêtement et beaucoup d'impensés par exemple sur la cérémonie d'ouverture sur la scène, sur la scène aussi qui va avoir lieu avec des, avec des, des, donc, euh, des dizaines de barges qui vont euh, transporter les athlètes. Donc là, c'était une volonté de dire, bah, on va inventer quelque chose à Paris 2024, c'est que plutôt que de faire ça dans un stade, euh, la cérémonie d'ouverture avec plusieurs centaines de milliers de, de personnes du coup qui sont sur les bords de Seine, euh, ça va être organisé sur, sur, euh, sur l'eau à l'extérieur. Et ça pose évidemment des questions de sécurité euh, extrêmement importantes. Euh, à l'époque où l'idée a été émise, le, le ministère de l'Intérieur n'était pas très emballé par l'idée, expliquant que bah, si ça se fait depuis des décennies dans un stade, ça au a au moins une raison. vertu, c'est que ça permet de filtrer les entrées et euh, un peu de voilà, de d'organiser de, des choses un petit peu sereinement. Et euh, en fait, ce, que, ce qui est hyper intéressant sur ce volet-là aussi, et donc là, c'est un article qu'on a fait en décembre 2022 avec Sarah Brett, c'est que euh, bah, l'idée même de cette cérémonie d'ouverture sur la scène, en fait, a été euh, imaginée. Euh, et ce concept a été poussé par le directeur des cérémonies de Paris 2024, qui est un monsieur qui s'appelle euh, Thierry Roboul et qui est lui-même un professionnel de l'événementiel sportif et euh, les prestataires qui vont euh, qui ont bénéficié des contrats pour l'organisation de cette cérémonie, euh, qui est aujourd'hui encore très critiquée. Hein. Euh, en fait, c'est euh, notamment son ancienne entreprise. Euh, et donc là aussi, on est dans un système d'endogamie, où encore une fois, on pourrait dire euh, et on en parlait euh, sur la manière dont le dossier de candidature avait, constitué, avait été constitué. Bon, bah en fait, c'est du, du copinage, c'est pas très grave et ça. Mais en fait, ça a des conséquences sur les décisions. Euh, les conséquences, c'est que du coup, bah, euh, les pouvoirs publics se retrouvent à la remorque d'une décision euh, complètement euh, insolite, mais surtout qui, du coup, en termes de sécurité, en termes d'impact. Euh, sur euh, euh, sur euh, l'organisation et l'aménagement de l'espace en termes de coûts euh, pour la collectivité en fait sont absolument euh, spectaculaires quoi et euh, encore une fois quand on remonte la chaîne de décision et qu'on se rend compte euh, bah, que à l'origine on a quand même encore une fois un, un entre soi euh, c'est 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 assez intéressant en fait de le constater je vous ai mis l'article dans le chat si vous voulez le lire. Une cérémonie d'ouverture entre amis. Et donc pour les triathlètes, je vois qu'il y a des commentaires là-dessus. Il y a eu un, un triathlète français qui est Pierre Lecor, qui est l'un des champions français. La France est une bonne, une bonne nation en triathlon. Et donc Pierre Lecor a expliqué dans un article du Monde, de manière assez courageuse, je trouve. Donc après l'annulation des tests, il a expliqué que... Que, effectivement, l'eau était très polluée, que lui était prêt à le faire peut-être une fois, quoi, pour, pour, et on va peut-être retrouver du coup la, la citation, la citation exacte, mais donc voilà, qui était prêt à le faire une fois, mais qui prenait des. Des des, des des produits spéciaux je crois que c'était des euh... ah j'ai ah, pas accès le... ah, ah, voilà, voilà voilà que que, que était enfin que l'eau était était par contre beaucoup trop polluée pour pour y aller à, à plusieurs reprises quoi. Donc quand même un, un champion euh, de cette envergure là en fait avec lucidité dit mais non en fait faut pas faut pas aller se baigner de manière régulière dans la scène c'est pas, c'est pas possible. Euh, ça devient, voilà, ça devient intéressant. Il y a aussi dans ce même article. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. C'est va... intéressant de se tester, mais on va éviter d'aller deux fois quand même. Voilà. Donc euh, et encore et, et c'est des gens, voilà, ils, prenaient des, ils prennent des, des pastilles de 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 chlore avant d'aller d'aller se baigner, quoi. Oh. Euh, donc euh, les, ah, mais... lui il le fait en âme et conscience avec un médecin des équipes de france et de ça mais euh, voilà c'est pour pour illustrer le décalage entre la promesse de euh, garantir au public la possibilité d'aller euh, se baigner dans la Seine et la lucidité d'un champion qui dit euh, oui en fait on me demande de le faire pour les JO je vais le faire euh, une fois avec euh, des pastilles de chlore probiotiques et parfois et du, du smecta voilà euh, mais par contre euh, voilà euh, faut pas y aller deux fois quoi bah oui mais il avait raison Charles Van il a été intoxiqué au moment de des championnats du monde de Sunderland mmh. et depuis il souffre de moines bon signaux persistants voilà je vous envoie, je vous envoyais l'article dans le chat oui exactement, bah, c'est ça Il fallait prendre du smecta en prévision. En plus, comme tu disais tout à l'heure, pour des sportifs qui sont pas forcément les plus payés, euh, mmh. ça prend beaucoup de risques. Oui, et encore lui, on peut se dire, bon bah, en fait, il, est, il arbitre son risque, il est mmh. conscient du risque, il le prend avec des données médicales, des tests des os, voilà. Euh, et on met, c'est juste de, de voilà, c'est aussi euh, bah, du coup de montrer la marche qui reste avec une promesse initiale de euh, se promener dans, dans, dans la scène en fait. Il y a Terrence qui te demande, vu la connaissance de tout ce schmilblick, est-ce que tu auras quand même envie de regarder les jeux à la télé, voire d'assister à certaines épreuves Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait Est-ce que ça t'en a dégoûté Alors, assister à certaines épreuves, non. C'était assez fait... que assister à <laughs> Voilà, en fait, déjà, il y a une question de. Évidemment, euh, si on me donne des invitations, je n'irai pas. Euh, par ailleurs, euh, en fait, payer des places là, on n'a pas évoqué non plus, parce que c'était non seulement des, la promesse de Jeux, ouais, jeux olympiques euh, je suis... et paralympiques inclusifs euh, verts mm. et, et populaires. Voilà. Populaire, euh, bon, euh, je pense que là, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Vous avez vu quand même tous les articles et toutes les déclarations sur, sur, sur le coût des, et le prix des, des places. Donc non, je n'irai pas assister aux épreuves. Après, j'ai une vraie difficulté, c'est que je suis un gros fan de sport. Euh, et que moi les JO je les, je les ai toujours regardés, hein. j'ai pas boycotté Pékin, j'ai pas boycotté Athènes, j'ai pas boycotté Rio ni Londres, voilà, j'ai à chaque fois Tokyo, j'ai regardé euh, Tokyo, ça m'avait pas empêché de, de, de travailler avec Yann Philippin sur la corruption euh, et l'énorme scandale de corruption autour des... Des JO de, de Tokyo, donc euh, sincèrement oui, je pense que je vais regarder parce que j'aime bien les épreuves et tout ça. Mais euh, encore une fois, ça m'empêche pas de. En fait, c'est aussi parce que j'aime le sport et que je le prends au sérieux que que j'ai enquêté au moment de la phase de candidature en me disant en fait c'est pas possible que un sujet aussi important en fait euh, soit déconsidéré euh, d'une telle manière. Quoi. Mmh. Il a pas d'autres questions. De toute façon, on pourra jusqu'à la fin de l'émission revenir sur le JO. Est-ce qu'on ce qu ne serait pas le petit moment père de Rio Ça revient <laughs> tout le temps. Ouais. N'est-ce pas saint etienne Est-ce que des fois, tu n'en as pas marre qu'on te parle de, de, de saint etienne Non, j'en ai pas marre. Et par ailleurs, euh, on fait pas tant d'articles que ça sur Saint-Étienne. Il y a l'impact, mais euh, je ne fais pas la chronique quotidienne de de ce qui se passe à Saint-Etienne. Si tu veux peut-être nous refaire un récap rapide de, 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 de qu'est-ce qu'un compromis, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Bah, je vois le dossier, là. il y a 27 articles. Tout à fait, je, je viens de vous envoyer le lien, vous avez la lecture. Depuis euh, Donc 27 articles, depuis euh, le premier, c'était le 26 août 2022. Euh, donc, c'est raisonnable hein, pour du Ça Mediapart pour un dossier parce que je sais pas, l'affaire libyenne, euh, bon, <laughs> l'affaire libyenne, elle est plus grosse et c'est 2011 euh, dans Mediapart, mais c'est énormément, plus de, je pense, on doit être à 150 articles. Ouais. Euh, voilà, moi, 27, c'est bien. Euh, non, euh, donc, qu'est-ce que c'est cette histoire C'est donc un chantage qui a été exercé sur un, un élu de la majorité, un adjoint au, au maire de saint étienne euh, qui a été filmé à son insu en 2015 dans une chambre d'hôtel, euh, Gilles Artigue, euh, père de famille, catholique, euh, élu centriste, ancien député à l'Assemblée nationale, mobilisé contre la manif pour tous, etc. Et patatra, il se fait filmer euh, dans une chambre d'hôtel euh, en train de se faire masser par un escorte euh, euh, masculin. Euh, la vidéo, euh, donc, est filmée à son insu par un de ses collègues de la majorité municipale et ensuite, euh, donc, le maire de saint-étienne, euh, gualpario, euh, va utiliser euh, cette euh, vidéo pour euh, menacer, faire chanter euh, son adjoint, gilles Artigue avec euh, la complicité euh, de son directeur de cabinet, euh, pierre Gauthiery. Cette affaire était complètement passée sous les radars, ça veut dire que personne n'était au courant. Et Gilles Artigue, la victime, ne voulait évidemment pas la révéler parce que déjà elle n'avait pas les éléments permettant de démontrer comment avait été organisé ce piège. Mais en plus de ça, elle n'en avait même pas parlé, enfin, il n'en avait même pas parlé à son épouse, à ses enfants, etc. Et donc, nous, on a révélé l'affaire en août 2022. Et donc, depuis, un feuilleton. Un peu interminable euh, à Saint-Etienne, parce que donc on, on est allé de révélation en révélation. D'abord, Gaël Perriot a dit que c'était faux, qu'il était au courant de rien, etc. Et bon, petit à petit, il y a pas mal d'enregistrements qu'on a sortis qui ont prouvé euh, beaucoup, beaucoup de choses. Gaël Perriot et son directeur de cabinet, Pierre Gauthier, ont été mis en examen en avril 2023 pour chantage, notamment. Euh, et euh, il a refusé de démissionner, Gaël Perriot son directeur de cabinet est parti, a été licencié. Euh, Miguel Perrio, lui, il reste en poste. Toutes les semaines, à saint étienne il y a soit des manifs, des, euh, des actions, euh, des appels à la démission. Il s'est fait écarter de son propre parti, les Républicains. Les Républicains disent eux-mêmes, il faut que il faut que tu partes gaël. voilà. et, euh, et en fait il reste euh, accroché tel euh, un forcené quoi dans sa mairie. il veut pas, il veut pas partir. et ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui est euh, l'événement récent, c'est que euh, le bras droit du maire, donc pierre gauthier, directeur de cabinet, a lâché gaël perriot en audition. il a été réentendu par les juges en décembre et il a expliqué que euh, la tête pensante et la personne qui avait validé euh, le piège, donc le compromat. Le compromat, c'est un mot en russe. En fait, c'est pour compromettre. C'est des pièges, notamment à caractère sexuel, qui, qui étaient utilisés par le KGB en, en Russie. et Donc, il dit notamment cette phrase. Gaël Perriot a décidé du compromat, et il explique ensuite en détail, et euh, eh bien que euh, quand l'idée lui a été soumise de piéger euh, Gilles Artig, euh, euh dans une chambre d'hôtel, il a demandé le feu vert. Euh, du maire euh, de Saint-Étienne. Et c'est un événement parce que jusqu'ici, Pierre Gauthiery et Gaël Perdueau, ils avaient la même version dans l'histoire. Voilà, ils disaient Nous, on n'a rien à voir avec tout ça, malgré les enregistrements, etc. C'est vrai, peut-être une ou deux fois, on a fait allusion à la vidéo euh, auprès de Gilles Artig, donc la victime, mais, mais on n'est pas du tout euh, à l'origine, euh, ni même complice de ce qui a pu se passer. Et là, en fait, euh, la nouvelle version de Pierre Gauthiery vient totalement euh, fracasser le discours du maire. Quoi. Et ça c'est plutôt rare que les gens lâchent comme ça sur le bord de la route. C'est complètement inattendu quoi. Surtout, euh, en fait, les directeurs de cabinet, euh, euh, les bras droits comme ça, un peu euh, hommes de main euh, occultes quoi. Mmh. Euh, c'est des gens qui sont euh, formés politiquement et même euh, euh, émotionnellement etc pour euh, en fait euh, bah, ne jamais lâcher quoi. Et il y a plein d'exemples d'affaires où on se dit ah euh, oh, mais le jour euh, le jour où, euh, où il racontera vraiment tout ce qui s'est passé, voilà, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, par exemple, on se dit mais il y a bien quelqu'un un moment qui va, voilà, y, en plus ils sont tous mis en examen, poursuivis, etc. Bon, il y a peut-être un moment quelqu'un qui va qui va lâcher. Et en fait, c'est rarissime. Et moi, dans le cas de Saint-Étienne. Je m'étais vraiment projeté dans l'idée que ça n'arriverait jamais en fait. Je m'étais dit, dit Pierre Gauthiery, on avait diffusé des enregistrements où il disait ouais moi je suis un criminel sans foi ni loi et ça. Ah oui, Donc euh, ouais, c'était lui. Hein. <laughs> Donc je m'étais dit bon bah en fait lui il a tellement intégré le risque mm. Euh, en fait, il sait très bien ce qu'il fait, et puis euh, il se dit que si un jour ça lui tombe sur la tête, bon, en fait, il fera le dos rond et puis euh, il prendra cher, euh, y compris à la place de son, de son mère, euh, si besoin. Quoi. Et euh, c'est pour ça que j'ai été le premier euh, surpris par euh, ces déclarations, et elles s'expliquent. Par tout un tas de raisons, euh, notamment euh, l'avancée de l'enquête judiciaire, en fait, il, il est dans, dans la NAS judiciaire et donc il voit qu'il y a un procès qui se profile et donc il commence à réfléchir à son propre intérêt. Et son propre intérêt, ce n'est pas forcément celui du maire. Quoi. Il se dit, bon, bah, s'il y a un procès demain, peut-être une manière... D'atténuer les choses, c'est d'expliquer que j'étais pas le décideur de tout ça et que, et que donc euh, il déporte un petit peu le poids de la responsabilité. Il essaye d'éluder un peu euh, ce qui est les éléments qui, qui le visent directement. Mais il y a aussi un contexte très intéressant, qui est un contexte personnel et familial où euh, en fait il rencontre beaucoup de difficultés. Il fait le, voilà, sa, 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 sa femme a demandé le divorce après le déclenchement de cette affaire. Il a aussi. Voilà des enfants qui sont euh, bah, mécontents de la situation, qui ont découvert euh, des, les propos de, de, de leur père. D'ailleurs, euh, la première réaction quand on avait diffusé des enregistrements euh, avec ces propos, euh, il menaçait notamment donc Gilles Artyk de diffuser la vidéo dans l'école euh, ah oui, des enfants euh, de, de Gilles Artyk. Et ben, la première réaction de Pierre Gauthiery, ça a été dans la presse locale, ça a été de présenter ses excuses, mais pas auprès de Gilles Artyk, auprès de sa propre famille. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon que ça devait vraiment chauffer euh, chez lui. Euh, et euh, dans les raisons qu'il est qu expose auprès des juges, euh, et qui le pousse à faire maintenant des déclarations contraires à ce qu'il disait avant, il explique que voilà qu'il est dans un contexte euh, personnel très très compliqué, qu'il avait même songé euh, à mettre fin à ses jours, et etc. Donc euh, donc c'est aussi euh, parfois des, voilà, des motivations euh, ou des raisons un peu extérieures à l'affaire ou même sur les conséquences que peuvent avoir ces affaires-là sur des proches euh, qui, euh, qui peuvent expliquer ce type de, de revirement. C'est à la fin de l'article voilà, où j'explique je, ensuite, après la photo, ça ouais. va être en dessous. Voilà, sur le plan humain, c'est devenu, voilà, devenu très difficile, difficile pour moi. Pour moi euh... Et il y a la, toute la, la dernière phrase. De l'article où il dit même que tout au bout, tu peux encore un peu descendre. Ouais, voilà. Il dit voilà, pour la première fois depuis très longtemps, aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et j'entrevois une solution humaine à mes problèmes. C'est un mal pour un bien. Il, voilà. de la sagesse. il est dans un. Voilà, et par ailleurs, il est suivi par. Voilà, par, notamment par un psychiatre, psychologue, et voilà. Donc il. Il il s'analyse à travers cette, cette histoire-là. Il explique qu'il s'est fourvoyé. Auprès du maire, euh, il y a toutes. Euh, voilà, c'est intéressant parce que ça montre aussi que bah, les choses, elles sont mouvantes dans ces, ces, ces affaires-là et que parfois on peut projeter des conséquences, euh, en fait, des choses qui ne se réalisent pas. À l'inverse, il peut y avoir des événements tout à fait inattendus comme ça, ces produits-là. Et c'est euh, pour le coup, c'est un événement judiciaire euh, sans précédent quoi, euh, et qui. Euh, bah, rend les choses encore plus compliquées pour euh, Galperio parce que pour le coup euh, c'est ce qu'on met dans l'article c'était son dernier euh, son dernier soutien dans l'affaire. D'ailleurs les commentaires c'est euh, tout va dans le même sens que peuvent faire les membres de la majorité municipale pour pousser le maire de Saint-Étienne vers la sortie quand est-ce qu'il démissionne ils en disent quoi les autres élus municipaux de la majorité à Saint-Étienne pourquoi ils ne démissionnent pas. Alors pourquoi ils ne démissionnent pas les autres moi je pense que bah, c'est euh, c'est vraiment euh, cette affaire-là, je trouve, euh, comme euh, je disais tout à l'heure sur les JO et tout ça, moi je trouve qu'il y a toujours des leçons euh, politiques à tirer euh, de, de tous, les, de tous les, les dossiers, même parfois quand ils concernent des villes et tout ça, en fait, il y a toujours un caractère quand même un peu universel et, et, euh, et systémique. Quoi. Euh, là, à Saint-Étienne, ce qu'on voit, en fait, c'est le poids de ces potentats locaux. C'est-à-dire que Galperio, euh, en fait, il tient tellement sa majorité qu'il est imbougeable. Il est euh, maire de saint etienne 13e ville de France, il est président de la métropole encore. Hein. Il est en retrait, mais il est encore président, donc il touche ses indemnités, de président. Euh, et en fait, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde est horrifié par... Euh, ça ne laisse pas indifférent à Saint-Étienne hein, ce qui se passe. Mais en fait, il euh, y a très peu de prises. Euh, sur euh, la possibilité de le faire partir. Je les Républicains, donc son propre euh, parti, euh, lui demande de, de quitter ses fonctions de manière très régulière. Encore la semaine dernière, du coup, quand j'ai. Quand j'ai publié les déclarations de son ancien bras droit, bah, il y a eu encore beaucoup de communiqués de presse. Euh, je prends un autre exemple, c'est un maire de droite, le Medef et tout le patronat de saint étienne euh, dit depuis plus d'un an quelle image désastreuse pour la ville, il faut partir, Monsieur le maire, et de ça. Et en fait, il tient parce que il tient sa majorité. Et autour de lui, il a des adjoints euh, et adjointes qui euh, ne veulent pas démissionner. Et euh, après, c'est compliqué de sonder les âmes de chacun et chacune. Il euh, y en a peut-être qui ne croient pas du tout euh, à, à la gravité de cette affaire, euh, qui adhèrent totalement aux explications de Gaël Perio, quand bien même il a été euh, extrêmement fluctuant dans ses justifications depuis euh, maintenant un an et demi. Euh, et après, il y en a d'autres aussi, euh, bah, en fait, juste qui euh, ont des indemnités. Euh, et qui ont des euh, nécessités euh, financières. On est dans une ville où euh, les indemnités d'adjoints, c'est autour de 2000 euros. Euh, bah, on peut imaginer qu'il y ait euh, des personnalités euh, et des adjoints qui ont arrêté de travailler, par exemple, pour euh, exercer à plein temps leurs responsabilités et qui ont, par exemple, soit un loyer à payer ou même un emprunt immobilier, en fait, avec des mensualités. Et qui se disent, mais demain, en fait, si je démissionne et que tout s'arrête. Euh, surtout qu'on peut imaginer que s'il y a des élections euh, et que Gallabrio se représente, bon, ça va être peut-être un peu compliqué pour lui. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes liées à ça. Et donc peut-être qu'il préfère se dire bon bah, on pousse le maximum. Et puis euh, il y a le fameux argument il est présumé innocent. Voilà. il est présumé innocent. Et comme euh, maintenant c'est devenu le totem. Euh, euh, absolue pour, euh, pour euh, tout euh, politique mis en cause de dire « Ah, mais je suis pris au milieu innocent, donc jusqu'à une potentielle condamnation, je ne bougerai pas. » Bon, ben, nous, on peut continuer à diffuser des enregistrements, à voilà à faire ce qu'on veut. En fait, il y a ce totem de la présomption de l'innocence. Alors même que sur cette affaire, moi, j'ai envie de dire, même s'il n'y avait pas d'enquête judiciaire, même s'il n'était pas mis en examen, juste la gravité oui. de son comportement, et qui est là pour le coup incontestable parce que ce sont des enregistrements, en fait devrait quand même suffire à interroger son rapport à la probité et, euh, et, et du coup à la responsabilité même et, et au sens même qu'on voilà donné aux fonctions qu'il exerce et donc euh, se dire que même bon, même s'il n'est pas mis en examen, la question de sa démission pourrait se, se, se poser ou même de la part des élus qui siègent avec lui. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec quelqu'un qui euh, profère des menaces comme celles qu'on a pu entendre dans les enregistrements qu'on avait diffusé? Bien non, en fait. Maintenant qu'il est mis en examen, limite ça devient un argument pour dire Ah, mais il est mis en examen, donc présumé innocent, donc euh, jusqu'au procès, il euh, ne faut pas bouger. Quoi. <laughs> il y a Charline qui nous dit Tiens, sa majorité, il doit avoir une réserve de DVD gros comme un vidéoclub. <laughs> <laughs> non, c'est vrai que c'est pour le coup un vrai questionnement parce que euh, là, que, donc, euh, les faits que tous les articles, voilà, en fait, on est concentré sur une période qui était euh, 2014, 2015, 2016 en gros. Euh, et donc on se rend compte sur cette période là il y a un autre volet où ils ont euh, envisagé, euh, il y a une réunion notamment avec le directeur de cabinet Pierre Gauthiery qui réfléchit à la possibilité de, de, de piéger un autre, euh, un autre élu l'ancien maire de droite, lui aussi quoi. tout ça se passe en plus dans leur propre camp politique et ça se déroule de 2014 à 2016 Père Dioua a été élu à la mairie de Saint-Etienne en 2014 et donc on se dit, ils ont démarré si fort de 2014 à 2016 euh, bah, moi je me demande euh, qu'est-ce qu'il a pu se passer ensuite euh, sur les années euh, suivantes jusqu'à jusqu ce qu'on révèle l'affaire en 2022 en fait euh, voilà ils sont partis quand même sur, euh, sur euh, ils ont, ouais, ils ont démarré, euh, démarré fort, ils sont partis sur, euh, sur du gros dossier d'entrée donc je me dis, euh, j'ai quand même hâte de, de, de continuer à creuser sur les années suivantes pour, euh, pour savoir s'il n'y a pas d'autres placards à la mairie de Saint-Etienne il y a des élus qui demandent... D'autres dossiers dans les placards. <laughs> Est-ce qu'on peut simplement le dégager Est-ce qu'il y a un, je sais pas comment, un impeachment euh, des de maires euh... bah, En fait, donc, il a été, euh, il a été euh, viré des Républicains. Il y a une procédure d'exclusion de son parti. Euh, et après, la seule possibilité, c'est la révocation. Et donc ça, c'est la, la première ministre. Bon, là, Elisabeth Borne, donc ce ne sera plus elle. Euh, mais voilà, c'est en, en droit français, en fait, le, la possibilité de révoquer un élu. Euh, C'est euh, sur une décision du Premier ministre et euh, je ne crois pas que ce soit en tout cas un dossier prioritaire pour le, pour le gouvernement. Par ailleurs, Galberriot, euh, c'était quelqu'un qui s'était énormément rapproché de la Macronie. Je rappelle quand même qu'il était ministrable hein, d'Emmanuel de, Macron avant cette euh, affaire. Je pense que là, il n'est plus trop dans le casting. Mais donc, euh, donc euh, en tout cas, on n'a jamais entendu euh, de parole gouvernementale sur, euh, sur euh, une possible révocation et je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour actuellement. Puis il y avait aussi euh, quelque chose euh, qui était assez rarissime par rapport à cette affaire sur la censure préalable. J'avais récupéré... Alors attendez. Non, je ne suis pas sur la bonne Tac. Yes. Si vous voulez un extrait... Pnestré... C'est la conférence de presse qu'il y avait eu au moment de la censure préalable de ton article J'ai sollicité directement le, 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 les, les deux avocats de, de, de Gaël Perdriot et son secrétariat presse au sein de la mairie de Saint-Etienne. Lequel secrétariat m'a répondu de manière très courtoise en me demandant un délai supplémentaire pour répondre jusqu'au vendredi à 13h, délai que nous avons Accordé parce que nous ne voyons aucune, aucun problème dans ce cas-là à sursoir à la publication d'une enquête en vue d'avoir les réponses. Surtout que nous étions bien curieux, je dois bien l'avouer, de savoir quelles allaient être les explications nouvelles, peut-être fantaisistes, de Gaël Perdio autour de cette affaire. Eh bien, nous avons reçu ces réponses. Gaël Perdio n'a pas mis en cause nos informations. Au contraire, il les a confirmées avec une justification qui lui, qui lui, qui lui appartiendra d'assumer. Euh, et c'est peut-être ça. C'est l'occasion de nous, si nous réexpliquer euh, aussi le principe du contradictoire. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel à cette censure euh, préalable Alors là, on est en décembre 2022. Donc, on est six mois après le début de l'affaire. Euh, donc, le contradictoire, c'est quoi, d'une manière générale euh, d'un point de vue un peu principiel, euh, en journalisme, c'est le fait et même l'obligation hein, pour euh, tout journaliste qui se respecte. C'est une obligation déontologique, mais même vis-à-vis euh, -vis de la loi, en fait, euh, bah, de solliciter euh, toutes les personnes euh, qu'on met en cause dans nos enquêtes euh, avant publication pour recueillir leur version euh, des faits. Euh, ça veut dire que dans notre travail d'enquête, on vérifie les informations et ensuite on sollicite tout le monde en disant voilà, voilà les informations dont nous disposons. Euh, Est-ce que vous les contestez euh, Quelles sont vos explications et de ça. Euh, je dis c'est une obligation déontologique. Euh, du point de vue du droit aussi, euh, on peut être condamné si on ne respecte pas le, le principe euh, du contradictoire. C'est un des critères d'une enquête sérieuse, euh, du point de vue de la loi. Mais c'est aussi euh, quelque chose qui est souvent euh, fécond en fait, euh, y compris euh, voilà du point de vue de la, la, euh, du point de vue de la valeur de l'information. Parfois, on peut avoir des explications euh, qui permettent de nourrir euh, ou même de changer notre point de vue euh, sur des événements. Parce qu'en en fait, on n'est pas omniscient, donc parfois on peut avoir un regard, même si on essaye de lutter contre, un peu biaisé sur les choses. Et dans des interactions avec euh, des acteurs, bah, on peut euh, s'apercevoir qu'il nous manquait une partie de l'histoire et tout ça. Donc euh, de, manière génère, enfin, de manière générale, mais à, à Mediapart tout particulièrement, on accorde beaucoup d'importance à... Euh, au contradictoire aussi parce qu'on est beaucoup mis en cause, traîné devant les tribunaux. Il y a pas mal de procès, voilà, et qu'on veut les gagner à chaque fois. Et donc, euh, donc, on fait voilà, c'est une phase qu'on ne néglige pas du tout et on prend pas du tout sa euh, part dessus la jambe. Et euh, donc, avec Gail Perdéo, moi j'ai toujours euh, échangé en amont de mes publications depuis août 2022. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui était euh, ça m'a permis de faire pas mal de rebonds, parce que, au tout début, vu qu'ils savaient pas euh, exactement que j'avais des enregistrements, ils il a nié un certain nombre de choses qui étaient prouvées par des enregistrements. Donc, c'est ça aussi qui, qui est intéressant c'est qu'il a déclaré des choses qu'il regrette beaucoup d'avoir <laughs> dit aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé en décembre 2022, c'est que j'avais récupéré des nouveaux enregistrements dans lesquels il, il diffusait une rumeur absolument abjecte et totalement fausse hein, euh, concernant Laurent Vauquier expliquant que Laurent bouquier donc son camarade de parti, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais en même temps avec qui il est en, en, en bataille, quoi, euh, était un pédocriminel. Voilà, oh. rien que ça. J'ai sollicité directement euh, le deux la... avocats. voilà, c'est bon. euh, quelque chose tellement faux que Galperio a de tellement faux que Galperio lui-même a reconnu quand on a publié notre article que qu'il que, qu aurait jamais dû dire ça et ça, mais il se permettait dans son bureau à la mairie de Saint-Etienne de, de diffuser euh, cette, euh, cette rumeur horrible. Euh, et donc, euh, euh, moi j'avais récupéré l'enregistrement et je l'ai interrogé sur euh, ses propos. Donc, c'était en novembre en lui disant euh, bah, Moi je suis quand même euh, assez surpris par euh, la teneur de vos propos à l'hôtel de ville euh, concernant un président de région, membre de votre parti. Donc, en fait, il y a deux choses. Soit c'est euh, vous avez des informations là-dessus, et euh, du coup, bah, qu'est-ce que vous en faites En fait, est-ce que vous avez alerté les autorités judiciaires euh, Vous êtes maire d'une grande ville Vous avez connaissance d'informations aussi graves que cela euh, Est-ce que vous participez ou pas à l'Omerta Ou à l'inverse, si c'est faux, euh, comment vous pouvez vous permettre de raconter des choses pareilles quoi Et Gaël Perdriot me répond euh, le vendredi 18 novembre en expliquant que. Euh, euh, par l'intermédiaire de son service de presse, que c'est totalement faux. Et d'ailleurs, qu'il regrette avoir tenu ses propos, etc. Donc, il se débine complètement. Euh, moi, je prévois de publier l'article. Et au même moment, il y a un huissier qui vient à Mediapart et qui nous notifie euh, une censure préalable, c'est-à-dire une ordonnance prise par à, à, le tribunal judiciaire de Paris, euh, nous interdisant de publier notre article expliquant que selon les avocats de Gaël Perrio en fait, ça porte atteinte euh, à sa vie privée, euh, alors que ce sont des propos euh, qui n'ont rien à voir avec sa vie privée, qui ont par ailleurs été tenus en euh, sa qualité de maire, dans son bureau à l'hôtel de ville, et qui euh, mettent en cause euh, lourdement euh, le président de région, et que d'ailleurs notre article viendra euh, tuer dans l'œuf une rumeur que lui-même a contribué à propager. Et donc on a été pendant 12 jours de manière assez incroyable et inédite euh, censurés. Euh, c'était une censure sans, pré, sans, sans précédent et de manière préalable. C'est-à-dire qu'il y a euh, le président du tribunal judiciaire de Paris, par le biais d'une magistrate, il n'a pas pris la décision tout seul, mais c'était en son nom, euh, a décidé, sans même euh, entendre nos arguments, en fait, euh, bah, d'interdire à l'avance un article de presse. Et nous, ça nous a posé à nous et à l'ensemble de la profession un énorme problème euh, démocratique, c'est qu'on ne peut pas euh, accepter qu'un magistrat seul, euh, sur la base euh, d'éléments biaisés présentés par une partie mise en cause, euh, interdise euh, et prenne une décision aussi, aussi lourde que d'interdire un article de presse. Et donc on a contesté cette décision. Euh, on a été soutenu par l'ensemble de la profession, on a fait cette euh, conférence de presse, il y a eu énormément de relais à cette époque. Et euh, au bout de 12 jours, on a obtenu une rétractation de l'ordonnance, ça veut dire une décision contraire, nous permettant enfin de, de libérer l'information et d'en rendre compte au public. Mais ça veut dire quand même que pendant 12 jours, j'étais dépositaire d'une information dont je n'avais pas le droit de faire état euh, au public de manière générale, aux citoyennes et citoyens de Saint-Etienne qui se demandaient bien ce qu'ils pouvaient. Euh, se euh, passer donc le, le 30 novembre voilà c'est ça le 30 novembre j'ai dit tout à l'heure euh, décembre mais c'était fin novembre on a eu euh, la possibilité enfin de, de publier euh, nos informations et donc euh, Gaël Perriot s'est encore trouvé euh, tout bête euh, voilà, d'avoir voulu faire censurer une information en expliquant au public et à, euh, et à un magistrat professionnel que euh, cela concernait sa vie privée alors que c'était pas du tout le cas je vous ai mis euh, tous les articles dans le chat et il y a celui d'Edouy euh, qui est en accès libre. Hum, Est-ce que ça arrive souvent la révocation d'un élu Non, c'est euh, très très rare. Euh, ça a été le cas euh, euh, notamment en Outre-mer euh, sur des élus euh, maires euh, multicondamnés et tout ça. Yeah. Mais euh, un, par ailleurs, un maire d'une grande ville ça, ça n'est euh, jamais arrivé et euh, c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout euh, dans, oui, les cartons, dans les cartons parce que ça, ferait un, ça créerait un précédent juste dire bonne année ah, oui, quand à même. tous les fidèles de Twitch voilà et, bon, tu as dit tous tes secrets, secrets. presque ah, c'est pas fini encore bon tout, tout va, va bien, bien. Euh, dans... Voilà, bah, bah, va... Ouais, dans le chat euh, tout le monde nous a souhaité la bonne année euh... On résiste hein, malgré les ombres qui menacent et les nuages qui s'amoncellent. On va, on va faire face. Voilà. J'espère que vous n'avez pas loupé les vœux de Mediapart par Camille Etienne. On peut les remettre. Euh, il faut absolument euh, voilà, les regarder. Euh, C'est probablement, depuis qu'on fait cet exercice, les vœux les plus présidentiels, pas au sens d'être président, mais au sérieux parce que l'époque est un peu grave, l'exercice, Camille, et, et du coup, elle a, elle a brodé une petite musique qui rejoint une phrase qui nous est chère, une, un passage où Victor Hugo parle de Gavroche dans Les Misérables, et Gavroche, c'est un peu notre crieur du journal, hein, qui, le petit gamin des rues qui dit « Demandez, lisez les dernières nouvelles ». Et donc, il y a ce passage, Gavroche va ben, y mourir mais c'est justement euh, l'idée que même s'il meurt, c'est comme Spartacus, hein, ça continue après, on se souvient de Spartacus, pas des généraux romains qui l'ont crucifié. Et donc il y a cette phrase formidable de Victor Hugo, euh, braver, résister, faire face, tenir bon, tenir tête, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Voilà, donc c'est le programme, étonnons la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Et abonnez-vous quand même. Oui, ça, abonnez-vous, d'accord, abonnez-vous. Bon, bah, euh, restez, restez connectés. Il va se passer plein de choses à Mediapart et autour de Mediapart et sur Mediapart cette année. Tout à année. fait. Ouais. Bah, dès les prochains jours, même. Ouais. <laughs> Merci, Edoui. Ouais, on allait abonnez vous dans le chat. Euh, oui, donc tu disais, c'est rare et ce n'est pas dans les cartons la, la révocation. Hum. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment par Castor avec ah, le jingle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Tu l'as loupé, c'est fini. Ouais, Est-ce que tu bon, peux, est... peux le remettre Je mais... peux le remettre. Bah... Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. T'as connu ça Deux histoires. <laughs> ben, ça ce sera, sera deux, deux histoires. Ouais. <laughs> Pour euh, les nouveaux et les nouvelles, le moment Père Castor, c'est le moment où l'invité euh, du soir nous partage ses goûts culturel, film, musique, livre, expo, cinéma voilà. et ce soir, Anton nous a donné deux conseils culture. On peut commencer par Magnum Génération. Je vais vous les afficher en même temps. Et voilà. Donc si tu veux nous expliquer, c'est une BD donc Ouais. C'est une BD. En fait, les deux conseils ils sont liés à des bandes dessinées. Enfin, euh, c'est pas deux conseils, c'est deux goûts. Enfin, euh, je sais pas. Ouais, deux oui. histoires, on va dire. Voilà. De, vrai. en fait, deux bandes dessinées que j'ai lues pendant les vacances. Là, j'étais en congé pour les fins d'année, les fêtes de fin d'année. Et donc, j'ai découvert deux bandes dessinées à cette faveur-là. Euh, Celle-là, elle m'a été offerte par un ami euh, très cher. Et donc. Euh, euh, qui m'a surpris en m'offrant cette bande dessinée parce que je n'en avais, avais pas entendu parler, alors qu'elle pas. Est, elle vient pas de sortir là pour les fêtes. Euh, euh, mais donc, c'est une bande dessinée qui retrace euh, toute l'histoire de l'agence Magnum. Donc, une agence euh, photographe euh, extrêmement connue, prestigieuse. Euh, et en fait, du coup, je me suis euh, plongé dedans. Euh, là, hier soir, encore, j'ai continué à la lire, etc. Euh, elle est assez dense, mais c'est euh, ce que je trouve hyper euh, intéressant. En fait, il y a deux choses. Il y a un, un procédé déjà de narration où, en fait, les, il y a des vraies photographies qui sont intégrées à, 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 au déroulé de la bande dessinée. Donc, on oscille entre l'histoire de l'agence et les photographes qui qui racontent les coulisses de telle ou telle photo euh, et donc euh, donc il y a un effet de réalisme et euh, de découverte aussi de plein de photos hyper euh, émouvantes de qualité moi je j'ai une culture photo de la photo euh, j'ai envie de dire basique grand public en fait et là ça me plonge vraiment dans des niveaux de détails etc que je ne connaissais pas donc c'est euh, très intéressant et par ailleurs euh, c'est un objet euh, euh, d'histoire politique euh, que je trouve euh, surtout dans le moment actuel Edoui en a parlé tout à l'heure un peu euh, extrêmement euh, stimulant et responsabilisant aussi du point de vue du rôle de la presse, en fait l'agence les photographes de, de l'agence Magnum et je pense notamment à Capa Robert Capa, mais il n'y a pas que lui. Hein. Et d'ailleurs, il y a plein de présentations aussi de photographes de l'agence. Pour certains, à la fin, il y, y a par année, il y a un photographe par, ou une photographe euh, par, par année. Il y, y a aussi des profils de, de gens que je connaissais pas du tout. Mais pour, par exemple, l'exemple de, de Capa, parce que bah, évidemment, je connais son travail. Il y a tout l'historique de euh, la manière dont il décide de se rendre euh, en Espagne pour couvrir. Euh, la guerre d'Espagne, euh, son travail donc, il, donc euh, ensuite en Indochine et en fait toute cette BD c'est aussi euh, bah, traverser une époque euh, en fait de euh, euh, d'engagement de photoreporters euh, qui partent sur des terrains extrêmement compliqués avec euh, une montée des fascismes euh, partout en Europe. Euh, après ensuite euh, évidemment les guerres coloniales et de ça, mais donc je trouve que euh, en fait, il y a toutes les réflexions, notamment au sein de l'agence, sur les risques qui sont pris par les photographes euh, pour aller euh, en Espagne, et aussi la responsabilité, du coup, euh, qui incombe à ces photoreporters-là. Il n'y avait pas que Magnum, hein, il y en avait d'autres, mais de raconter à l'ensemble de l'Europe ce qui est en train de se passer euh, là-bas, avec euh, la lâcheté des gouvernants démocrates européens qui sont en train d'abandonner les républicains espagnols, et en même temps l'axe... Euh, Fasciste euh, qui est euh, en train de se déployer entre euh, bah, les forces franquistes, euh, l'Italie fasciste et euh, l'Allemagne nazie. Quoi. Et donc, c'est euh, en, en fait, fait au-delà du travail de. Pas, pas un, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une bande dessinée euh, sur euh, Magnum, l'entreprise. Voilà. Euh, c'est à travers des parcours, euh, en fait, toute une époque politique qui, quand même, résonne quand même d'une manière très particulière aujourd'hui. Et sur la place et la responsabilité du journalisme, et l'engagement des journalistes en fait, parce que les photoreporteurs de Magnum ils remontaient aucune objectivité ou neutralité vis-à-vis -vis de ce qui se passait à ce moment-là. Au contraire, ils considéraient que leur engagement antifasciste les obligeait d'une certaine manière à prendre des risques, parfois inconsidérés. Pour aller sur, sur, sur ces scènes-là et pour bah, essayer de réveiller la société, notamment européenne, sur, sur ce qui était et le drame qui allait se profiler. Quoi. Donc, euh, ouais, il a, je trouve que c'est une bande dessinée qui est par ailleurs, au-delà de toutes les connaissances qu'on peut acquérir en la lisant et même de, du fait que ce soit bien raconté, etc., il y a une certaine gravité et émotion quoi, quand on s'y plonge. Hélène66 dit merci pour le partage, je vais l'acheter, bah, tu nous diras si tu as aimé. Afon demande si ça reprend l'idée de le photographe de le Lefebvre et Le Merci. Euh, je ne l'ai pas lu, mmh. donc euh, je ne saurais pas dire. Désolé, je suis euh, <laughs> limité pour, euh, pour euh, répondre. Peut-être si dans les prochains commentaires tu peux développer. Comme oui, ça, ou je... peut-être qu'il y a d'autres euh, personnes dans le chat qui voient, ouais. qui voient et qui peuvent faire le. qu'il y a un parallèle Et. Ta deuxième recours. Alors, on va accepter les cookies. Le réseau Comet Histoire complète. Alors, ouais, donc ça, c'est une, pareil, une bande dessinée. Euh, on me l'a prêtée. Euh, là, on m'a pas offerte, pas mais <laughs> on me l'a prêtée euh, au moment des fêtes de fin d'année. Et euh, donc, j'ai découvert à ce moment-là euh, euh, cette, cette bande dessinée. Mais du coup, là, je vais l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. Euh, donc c'est une euh, histoire beaucoup moins grand public. L'agence Magnum, c'est quelque chose, voilà, CAPA, cartier Bresson et ça, c'est quand même des, des, des noms dans la photo euh, évidemment incontournables. Là, le réseau Comet, euh, donc c'est en fait un, un réseau de résistance qui s'est monté euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale euh, entre, la, entre la, la Belgique et euh, l'Espagne pour euh, exfiltrer. Euh, les euh, aviateurs euh, alliés, des forces alliées en fait, qui euh, dont les avions se faisaient abattre euh, et qui, euh, et du coup, qui tombaient euh, en parachute derrière les, derrière les forces nazies en fait. Et donc, il y a eu, il y a eu la mise en place de tout un système, euh, de un réseau clandestin de solidarité pour euh, exfiltrer depuis la Belgique notamment et le nord de la France. Euh, la baie de Somme, euh, euh, le etc., en fait, etc. Tout... Après, euh, les aviateurs euh, euh, américains, anglais, etc. Pour les faire ensuite repartir pour qu'ils reviennent euh, sur le front. Et euh, donc, c'est une BD euh, que je trouve extrêmement aussi euh, touchante, en fait, de ce point de vue-là, euh, qui, pour le coup... Euh, bah pour moi, m'a appris beaucoup de choses. Euh, en fait, pourquoi je suis aussi euh, intéressé, c'est parce que j'ai grandi au Pays Basque et, euh, et donc j'ai découvert moi-même à travers cette bande dessinée euh, bah, beaucoup d'informations. Euh, je connaissais l'existence du réseau Comet. De temps en temps, il y a quelques commémorations et de ça. Mais là, c'est à travers le regard d'une et de la dernière survivante euh, du réseau Comet qui a été euh, euh, en fait, interviewée. Pour réaliser cette bande dessinée, il y a, je fais une petite incise, une petite limite, je trouve, à la, à la narration. Autant dans la bande dessinée sur Magnum j'ai trouvé le procédé narratif hyper intéressant et tout. Là, je trouve qu'il est un peu basique, quoi. On suit vraiment juste une interview d'un journaliste qui pose un enregistreur et donc euh, voilà, c'est pas, mais c'est pas trop sur le procédé la manière dont la, la bande et les choses sont racontées que plutôt le contenu en fait que, 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 que j'étais intéressé par cette lecture là euh, et, euh, et en fait c'est aussi intéressant parce que ça pointe les limites par exemple euh, quand les quand il y a des rafles qui sont conduites il y, y a des dizaines de membres de ce réseau qui sont morts, qui ont été tués par les, par les, arrêtés, tués par les nazis ou qui sont morts en déportation. Il euh, y a eu des questionnements au sein de la résistance sur euh, euh, le risque. Et en fait, l'enjeu, le rapport en fait coût avantage que ça représentait de mobiliser autant de personnes et de autant de forces au sein de la résistance pour exfiltrer quelques dizaines de, de, de pilotes, alors que peut-être il aurait été préférable de déployer ces moyens-là sur sur d'autres sur d'autres euh, fronts en fait. Et, et donc, ce que raconte cette survivante à partir des discussions qui avaient lieu à l'époque, c'est que au-delà même du faible, peut-être faible nombre de personnes que ça permettait de, de, de sauver, en fait, c'était aussi quelque chose qui donnait énormément de morale aux mmh. troupes et aux aviateurs ensuite qui décollaient et qui savaient que bah, s'il leur arrivait euh, des noises, peut-être qu'ils ne seraient pas capturés parce qu'il y, y avait des solutions de repli derrière. Et donc, on a le cheminement de manière euh, voilà très concrète, en fait, de la manière non... Euh, euh, des citoyens euh, lambda en fait des gens parfois très peu politisés qui se la ramènent pas qui sont pas dans des positions euh, et des postures de principe etc en fait mais juste ont contribué parfois un peu en plus sans mesurer euh, les risques qu'ils prenaient mais euh, voilà à établir un formidable réseau de résistance avec plein de gens qui se connaissaient pas qui faisaient pas franchir les différentes frontières etc et donc euh, voilà c'est moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a voilà, touché aussi de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est du coup euh, une BD qui mérite aussi d'être euh, valorisée. Bah, ça donne envie de la lire en tout cas. Hum. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Vous savez qu'il y a toujours les petites annonces euh, un peu en fin de stream sur les actus autour de Mediapart. Est-ce que tu vas aller au festival La Grande Révolte Je vais y passer, effectivement. Je n'anime pas. Il y a pas mal de. Il faut y aller. Il y a pas mal de collègues oui. euh, parce qu'on est en partenariat euh, qui vont euh, qui vont euh, animer des tables rondes et, euh, voilà. Franchement, ça va être ça va être chouette. Euh, encore une fois, en plus, euh, c'est des espaces supra importants quoi. Festival de films et des luttes euh, euh, dans l'époque dans laquelle on est euh, euh, qu'on est en train de vivre quoi. Edouille l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut l'apprendre avec euh, euh, responsabilité, gravité, et en même temps, c'est aussi un moment où euh, voilà, les choses sont, euh, se clarifient en fait. Hein, et le rôle de Mediapart euh, euh, dans l'époque, il est pour nous euh, essentiel, notre indépendance et euh, et euh, la manière dont on considère certaines valeurs et principes euh, comme étant euh, intangibles, euh, inamovibles et ça, en fait, euh, voilà, euh, pour nous, c'est du coup, on, a, on ressent une vraie euh, obligation d'être à la hauteur vis-à-vis -vis de ça et donc ces événements-là en fait ça peut être aussi des des super euh, moments pour le public pour euh, partager des expériences pour euh, se tenir chaud pour euh, euh, trouver des idées et de ça mais euh, ils sont hyper importants pour nous aussi en fait pour aussi ressentir les choses avoir des idées et voilà et euh, enfin, moi, je, je, voilà, je, pense que le rôle de Mediapart, il est fondamental, et que en même temps, Mediapart n'est rien si on n'est pas un journal, journal qui reste en permanence. Euh, connecté à la société en fait euh, et donc c'est pour ça que ces partenariats là comme, comme Media Crash euh, comme on avait pu le faire en 2022 comme, comme la tournée des 15 ans comme tout ce qu'on va monter là euh, avec le festival aussi au 104 euh, à Paris euh, le 16 mars mais aussi à travers toutes les rencontres les Twitch voilà tout ça en fait c'est hyper important qu'on continue à développer une relation euh, euh, franche, directe, euh, particulière avec euh, notre public et qu'on aille euh, qu'on fasse le chemin inverse, compris euh, beaucoup de médias mainstream, etc. de fermer les commentaires, de, euh, de refuser et de vivre un peu dans un vase clos. quoi. Nous, je pense que il y a une vitalité dans la société et que et que, que c'est un enjeu hyper hyper important et c'est même euh, l'ADN de Mediapart en fait d'être euh, connecté. À, à toutes ces sociétés qui sont en mouvement. Quoi. Et oui, et même si Terence euh, ne nous, nous fait pas cette nouvelle, les saisons de Mediapart en effet, le 16 mars 2024, en attendant euh, de venir à la rencontre euh, de, de, de toute l'équipe du journal en mars, c'est euh, parmi, avec tous ces événements, vous avez aussi l'occasion de rencontrer les collègues. Euh, vous avez le lien dans le chat. Et, euh, donc, s'il y a des Bretons, la finale, c'est à Rennes, sinon, ça serait à Paris et à Ivry. Euh, vous pouvez gagner des places sur le site. Donc voilà, tout Ça, est Ça, c'est important. Le lien. On peut, euh, si, euh, si, euh, si vous n'avez pas les moyens de, de payer, il y a des possibilités de gagner des places. Et par ailleurs, le 16 mars, euh, à Paris, au 104, c'est gratuit, totalement gratuit. On organise voilà, euh, des événements quand on, le maximum possible, mais les 15 ans, c'était aussi à chaque fois à euh, gratuit. totalement gratuit. Voilà, en fait, euh, on essaye aussi. Euh, euh, parce que on sait que tout le monde peut pas être en capacité de, de, de toujours payer un, un abonnement ou euh, des places voilà même si c'est nous notre seule source de, de revenus et par contre euh, euh, par contre n'hésitez pas quoi à venir nous voir sur, sur sur là sur les sur les 16 ans 104 en plus le, on a commencé un peu les discussions sur le programme et tout ça va être vraiment vraiment chouette à chaque fois c'est une super ambiance tout le monde est euh, hyper accessible, il ouais, y a des super discussions et tout, donc euh, vraiment, si vous avez la possibilité euh, d'être dans le coin, à ce moment-là, n'hésitez surtout pas. Quoi. Euh, et puis, vous parlez des gens qui n'ont pas de gros moyens, même sur l'abonnement, si vous êtes étudiant ou euh, voilà, en difficulté financière, l'abonnement, il est à 5 euros, il n'y a pas de justificatif à envoyer, c'est sur la confiance. Euh, voilà. Il euh, y a également en ce moment les médias Awards. Je vous mets également le lien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un jeu. Et pour jouer, il suffit de cliquer. Hop. Je vous montre à quoi ça ressemble. Sur le, le thème d'une des, des, remise de prix, c'est les équipes, les, les collègues, c'est beaucoup le pôle enquête euh, et les, les collègues du marketing qui ont concocté des questions euh, assez marrantes, euh, basées sur les, les enquêtes de Mediapart, euh, pour vous faire décerner, selon vous, qui mérite, par exemple, le Ward, le roi du silence. Et comme ça, les questions, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a beaucoup. Et à la fin, déjà, c'est déjà, rigolo. Et à la fin, vous, vous participez à un tirage au sort pour gagner des exemplaires de la revue dessinée. Euh, le palmarès, comme pour tout prix qui se respecte, sera dévoilé samedi prochain dans la newsletter Enquête. J'en profite pour vous mettre le lien. Hop. Non, j'ai pas mis la bonne commande. Qu'est-ce que j'ai mis Enquête sans, sans S, c'est ça oui, tout à fait. La newsletter Enquête, euh, à laquelle j'imagine tu participes euh, comme tous tes, tes camarades du Pôle Enquête, c'est un contenu qui est gratuit aussi, euh, accessible à tous, il suffit de s'inscrire, et euh, passionnant puisque vous expliquez vraiment les coulisses de, de certaines grosses enquêtes du journal. Euh... Ça, c'est euh, Mika, Mikael Hasdenberg, qui est co-responsable euh, ah oui, si euh, du Pôle Enquête, en fait, qui a eu l'idée et qui coordonne euh, l'exercice. C'est euh, en gros, il a eu l'idée, euh, euh, je pense, c'était il y a un peu plus d'un an, de se dire, euh, il, en fait, euh, voilà, ce qui nous distingue aussi, c'est notre capacité à faire euh, assez souvent transparence sur euh, euh, la manière dont on travaille et aussi euh, montrer euh, euh, les propres limites qu et discussions qu'on peut avoir entre nous sur. Euh, des questionnements déontologiques. Euh, en fait, euh, voilà, on se creuse souvent la tête euh, et on n'est pas tout le temps sûr d'avoir les bonnes solutions. Euh, on tâtonne et de ça. Et, euh, et euh, c'est pour nous important aussi de pouvoir le montrer parce que, de la même manière qu'il y, y a, je le disais tout à l'heure, une tendance de pas mal de, de grandes rédactions à se replier sur elles-mêmes et de ça, il y a aussi. Euh, bah, l'image des journalistes euh, pétri de certitude, euh, qui savent tout sur tout euh, euh, qui reconnaissent jamais leur erreur euh, euh, qui balancent parfois des infos comme ça sans mesurer les conséquences que ça peut avoir et tout et du coup euh, en fait euh, euh, Michael euh, agenda, il, il une réunion du pôle enquête il, bon, ça faisait longtemps qu'il réfléchissait un peu à ça et il dit en fait on a une image qui correspond pas euh, à tous les questionnements que nous on peut avoir et donc, euh, il, bah, il a donné l'idée de faire des coulisses, donc dans la newsletter enquête hebdomadaire, euh, sauf pendant les vacances, mais sinon là, elle va reprendre donc samedi. Euh, en fait, de chaque samedi, de d'exposer de, soit un cas de conscience qu'on a pu avoir, soit euh, des coulisses, euh, mais vraiment des vraies coulisses, quoi. Euh, et c'est michael qui le fait à chaque fois, et euh, en fait, son... En milieu de semaine, souvent il nous consulte un peu et il dit Bon, ben, en fait, voilà, ça c'est mon idée de coulisses. Est-ce que tu serais dispo pour qu'on fasse une interview et de ça Et c'est une interview où vraiment il nous pose des questions. Et donc ça donne un résultat qui est, moi je trouve, hyper intéressant, pas que pour des professionnels de la presse justement, et qui est très stimulant intellectuellement parce que ce n'est pas des fake coulisses. Quoi. Souvent il y a un peu. Des coulisses de la rédaction, euh, euh, où en fait ça va être plus un objet promotionnel qu'un vrai outil réflexif dans lequel on peut se mettre en danger en fait. Parce que des fois en racontant des vraies coulisses, y compris des, des questionnements déontologiques qu'on peut avoir, bah en fait euh, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Moi je vois quand je rends mes articles, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère euh, être derrière mon ordinateur à écrire qu'être en direct sur Twitch, c'est que je maîtrise totalement ce que je vais dire quoi. Je peux me relire. Euh, je peux vérifier, euh, toutes les infos que j'ai mises et de ça. Peut-être que, euh, voilà, peut-être que je, je fais des approximations à l'oral dans la manière dont j'expose les choses et je sais qu'à l'écrit, bon, bah, j'ai la capacité vraiment à verrouiller les choses et, et ça me va très bien vis-à-vis -vis de mon tempérament par rapport à, au choix que j'ai fait d'être en presse écrite. Et là, en fait, avec la révélation des coulisses et les questions de Michael à chaque fois et tout, bah, en fait, c'est, pour nous, c'est aussi un exercice d'accepter un peu de lâcher prise et de pas être tout le temps dans un jeu de façade et de dire bon, bah, ok, en fait, j'ai une vulnérabilité là-dessus. Et par exemple, bon, Saint-Etienne, dont on a parlé tout à l'heure, on a fait les coulisses de savoir si on aurait sorti l'info et l'affaire si la victime nous avait expressément demandé jusqu'au bout ce qu'elle avait fait au début, c'est-à-dire ne sortez jamais et ne racontez jamais ce truc-là parce que c'est trop violent pour moi. Bon, bah, en fait. Euh, pendant l'été pendant lequel on s'est posé ces questions-là en fait euh, c'était hyper intéressant de voir euh, les discussions que ça a suscité euh, entre collègues en fait il y avait vraiment des, des divergences entre nous euh, et en même temps on a ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'on a su les gérer les organiser euh, de la discussion moi j'avais par principe, je voulais pas avoir de position à arrêter, quoi. Finalement, on a trouvé une voie de passage, une issue, et vous vous retrouvez dans les historiques de, de la newsletter, un peu comment on a fonctionné là-dessus. Mais du coup. C'est vrai que de le raconter, c'était un peu contre-intuitif pour moi. C'est bah ma cuisine interne. J'ai pas envie de raconter que j'ai eu des doutes et tout. Et en fait, euh, bah maintenant qu'on est lancé, je trouve que déjà c'est intéressant, c'est stimulant pour nous. C'est bien aussi de montrer un peu qu'on bah voilà, qu est humain et réfléchi. Et puis, euh, en fait, je trouve que c'est ailleurs. Euh, et les retours que j'en ai, c'est je que ça peut être super intéressant pour le public aussi. Donc, n'hésitez pas. C'est un contenu euh, gratuit et euh, vous pouvez vous inscrire, euh, faire tourner à, à vraiment tout le monde. Et surtout, c'est encore une fois, j'insiste, c'est des vraies coulisses, quoi. Moi, des fois, je découvre aussi des choses liées à des interviews que peut euh, mener Michael avec euh, des collègues, quoi. Euh, sur, euh, voilà, il y a eu, par exemple, sur une, je pense à des coulisses de Yann Philippin sur euh, comment il travaille sur les leaks et de ça en fait l'épuisement professionnel qu'il peut ressentir à travers ça. En fait bah bon moyenne euh, je, je parle tous les jours avec lui mais il a dit des, dans des choses cette dans cette euh, newsletter là euh, que euh, sais, voilà que je ne savais pas en tout cas pas avec euh, cette force là C'est aussi le but de cette émission. De vous montrer comme ça les ouais. c'est... Et montrer que, oui, les collègues euh, ce sont des gens euh, comme tout le monde qui achètent des BD et, <laughs> et qui, des fois, doutent. Euh, lundi prochain, vous avez rendez-vous avec Tariq et Cécile Hautefeuille. Ça va parler de travail, France Travail, euh, patrie, famille. Un <laughs> gros sujet euh, en perspective sur euh, la mise en place donc, de France Travail. Avec peut-être peut un nouveau ministre du Travail, du coup. On ne sait pas. On n'a pas de nouvelles. Olivier Dussopt qui attend son jugement le, le 17 janvier, donc ça va. Ça va arriver très vite. Euh... Ah non, mais attends, là il faut que tu mettes le casque. Parce qu'il y a un petit rituel de. Quand on a fini plus ou moins le Twitch. Faut pas chanter quand même. Faut pas chanter. Okay. Est-ce que tu reconnais Eh bien, merci d'avoir suivi ce live Mediapart, exceptionnel, au carrefour du rendez-vous des citoyens et de la démocratie. D'ailleurs, abonnez-vous à Mediapart. Et non, c'est limite. <laughs> c'est très très bien. Ouais. La, la, la voix un peu un pincée, un mais d un d un sinon c'est c'est parfait. Sinon, il a il a vraiment tous les mots clés. Ouais, c'est ouais. ça. Euh, bah, en tout cas, merci à toi, merci à, à, à vous dans le chat pour toutes vos questions toujours intéressantes. Euh, merci à Gaëtan Xanthono. Non, non, attends, je vais reprendre Xanthozonus, pardon, pour euh, pour sa, la modée. Ce soir, voilà, il nous a mis le, on a un petit édouis déguisé, oh, un usule déguisé en Edoui. je m'y perds. ne euh, danse pas comme ça. Hein. Non, non, il s'est plus un truc mm. un <laughs> peu plus euh, bah, euh, ultra Ouais, mais en fait. <laughs> Tout simplement. Euh, je vais voir si on a des collègues en ligne pour faire un raid avant de se dire bonne soirée. Je vais pas cliquer sur le bon truc, je si. Est-ce qu'Internet le permet malgré tous les lags qu'on a eu tout à l'heure Alors. Allez là. Bon, bon, on va aller chez Cassandre si, si, si ça marche. Bonne soirée à tout le monde, et donc n'oubliez pas, lundi prochain, Tariq reçoit Cécile feuille Bonne soirée à tout le monde. Bonne continuation. à bientôt. Ah non, nous ne sommes pas en mesure de lancer un raid. Mais c'est pas possible. La ah mince, on s'est fait. Euh... On s'est rien fait du tout. C'est Moi, J'ai la poisse. S'il n'y a pas un, un bug dans l'émission, c'est qu'il y avait un problème. Et je comprends pas pourquoi. C'est le raid. Non, on peut pas. là tu vois, ça, ça change même le logo. Euh, il me met le panneau interdit. C'est un coup d'Amazon, ça. Jeff Bezos. Ou... Sabotage. Ça cache Twitch. Ouais, je suis avec Scalvin, pas grave. Je fais feu de tout bois. Si ça fonctionne. Sinon, il n'y aura pas de raid, hein, les amis. Euh... Moi, j'ai faim là, il est 21h30. Puis ça sent la galette, non J'ai l'impression que peut ça sent la pâte feuilletée tout à l'heure. Les ouvriers ont saboté la lignée parce que Terence, c'est à croire qu'il est là dans les locaux. Et oui, il y a toujours les trucs. Ah ouais, il a des banc. infos. ah ouais. raid local lancé. Alors. On est bon ou pas sur le raid Oui, c'est bon. Allez, bon alors, bonsoir tout le monde. Bonne soirée. À lundi prochain.